couvrir parce que nous gagnons ligne de prière ça qui ouvre tous les soirs à 10h du soir. Donc même l'inclan est capable de participer autant de fois que vous voulez. Et nous gagnons la midi tout du lundi au vendredi. Et c'est toujours même l'inclan qui a participé. Partagez là avec vos amis, partagez là avec vos familles. Et nous offrir amen. Nous arrangez nous pour nous essayer de séances de teaching tout qui est assez intéressant. Dans les domaines que nous pensons qui a intéressé tout un paquet de monde. Bonjour, toujours mettez sur nous des séries de professionnels dans des domaines respectifs et vraiment qui vous capable partager connaissances ensemble avec nous. Et à ce moment là, moi connais que j'ai un pile monde pour l'ouvrir sur une opportunité que probablement qu'il pas de connaître sur une opportunité probablement qu'il pas de connaître. So, m'a invité au sous là ensemble avec nous pour la première fois et qu'on pas qu'on remplit formulaire ça. Remplir pour nous s'il vous plaît pour nous capable être en contact ensemble avec vous. Faut nous dire sous là pour la première fois son ligne de prière Zoom ça, son ligne de prière. Son côté nous prions en pile présence mon Dieu toujours là. Nous prions en pile. Ben à ce moment là la fête non cadre un petit peu différent, c'est un teaching que nous gagnons qui pral vraiment vraiment excellent à travers un jeune professionnel, un monde qui est extrêmement jeune et que qui jeune en façon pour ça capable bénéfique pour lui et puis il mettait le disponible à ce là et que il pral partager ça ensemble avec nous. Mais avant même que nous fait ça guys, remplis formulaire pour nous si vous là pour la première fois, il pas trop tard aussi capable partager le link Zoom là que tu partages avec là avec un ami ou style capable partager disons un ami vient apprendre ensemble avec disons un ami vient apprendre ensemble avec m'pa connais si n'a bien temps pour nous prendre question à soi m'pa connais m'pa connais format teaching n'a m'pa connais absolument rien de lui ben même connais que mon vraiment libre de délivrer. Mais avant que nous fait ça nous va le faire un coup de prière pour nous capable inviter Saint-Esprit dans mitan nous là et pour vraiment pour Dieu capable ouvrir même moi pour Dieu capable ouvrir sur opportunité parce que en pile fois nous connait blessing devant nous mais malheureusement nous pas ka wè blessing parce que la Bible dit comme ça en faute de connaissance peuple bon Dieu l'a péri. OK, faute de connaissance peuple bon Dieu lui-même il a péri. Et c'est une bagarre que nous même nous prend à cœur bon ici hein? Nous prions en pile pour ça parce que nous dit bon Dieu que nous refuser rester ignorant parce que tout ça pas qu'on est capable tu yo. Et c'est peut-être ça bon Dieu maintenant il provide et me penser que c'est le début d'une très nouvelle aventure. Donc nous invitons capable toujours retourner participer ensemble avec nous. On souhaite vraiment vraiment la bienvenue. Sans tout la caillou capable inviter nos amis là tourner avec nos amis parce que en pile miracle prend là fête là, en pile belle bagarre que bon Dieu fait à travers Zoom ça. All right? Encore une fois, vous capable remarquer m'a partager le clan over and over non stop, OK? Donc partagez coordonnées on ça avec un email numéro téléphone genre de bail ça permet nous capable briter en communication ensemble avec vous si toutefois vous faites ça et puis aidez-vous dans la mesure que l'esprit lui-même lui permet. OK, so sans plus tarder n'a fait une prière et puis pour nous capable rentrer dans vif sujet. All right, papa qui dans ciel dans nom petit de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons, nous glorifions, nous magnifions, nous cher Dieu, cher Seigneur, grand maître là. Nous disons merci papa dans ciel là pour enfin opportunité ça cher Dieu, cher Seigneur, grand maître là, nous va le découvrir. N'a demandé dans présent moment ça papa dans ciel là. Tout côté Satan t'a mettre blocage dans compréhension nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous camper contre toi. Tout côté que Satan t'a mettre distraction en ciel là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous camper contre toi. Nous rejeter, nous chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à ce là l'Éternel roi des rois, Seigneur des seigneurs, que ça va le partager là l'Éternel grand maître là, c'est pour ouvrir yeux. C'est pour ouvrir yeux. Nous déclarer c'est pour yeux ouvrir, c'est pour moun comprendre domaine ça en l'autre façon, c'est pour moun capable voir opportunité qui gagne là-dedans parce qu'on promet ou dit comme ça qu'on bénit petit tu cher Dieu, cher Seigneur grand maître là. Mais nous connaît que cher papa, cher Seigneur grand maître là, c'est avec des stratégies clés qu'on bénit ou lever au financially l'Éternel. Et peu importe pour moun que teaching ça y a sur, peu importe pour moun que ça va le font déboucher dans financer, peu importe pour moun qui pral vraiment teaching ça bless à soi à la chair Dieu, cher Seigneur grand maître là. Fais en sorte que moun ça, que Satan pas camper en face li. Fais en sorte que moun ça li vraiment comprendre tout ça que fait là et que li vraiment pour capable à la appliquer, pour la appliquer connaissance que li apprend nan, et que pour capable font différence dans la ville, pour capable font différence dans communauté et pour capable faire une différence dans la vie petite ou cher Dieu, cher Seigneur. Nous prions concernant nos petits ou Jésus-Christ de Nazareth qui vit et règne depuis tout temps et pour tout temps. Amen, 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 amen. Encore une fois, sous fait mouté, sous fait vini, si que ou fait vini. OK, ou capable voir un lien que m'a partagé dans chat là de temps à autre, remplis-le pour nous. Premier son formulaire qui a permettre nous capable être en communication ensemble avant. Deuxième son groupe WhatsApp que nous gagne ou capable rejoindre si toutefois ça intéresse ou et n'a toujours son ligne de prière que Zoom ça y nous prier en pile sur chaque jour.
chaque jour, ou même si ça intéresse ou tu cherches une communauté pour capable prier, déjà la bienvenue et nous sommes vraiment contents de gagner ensemble avec nous à ce là. All right, à présent, permettez-moi d'introduire l'invité du jour. Nous avons invité du jour aujourd'hui, hein. C'est un jeune professionnel. C'est un monde quoi qui fait business school, si me pas tromper, et que il a plusieurs degrés là-dedans, master même si m'a changé bien, et que il y a peut-être un an ou bien deux ans de cela, pas même deux ans, less than that, un an et demi, et que de temps à autre nous t'étions parlé, et puis quand l'autre il me dit moi ça que il était intéressé à real estate, il est vraiment intéressé à real estate, et que pendant que il t'a parlé de projet ça, et puis à ce moment-ci il était vraiment en cherche pour aller approfondir ça, ok, il était prendre des séries de classes la même professionnelle, mentorship, etc. Et puis quelques mois plus tard, les nous reparler, mais nous j'ai une bonne nouvelle, c'est bonne nouvelle seulement que le dit. Et à partir de ça, il a fait une réalisation avec elle. Et je dis à la libre de montrer nos formats, libre de partager ensemble avec nous comment lui-même était arrivé à faire ça. Et par contre, c'est n'importe quoi pour nous prendre question au fond que nous guettons. So m'a fait place ensemble avec la connia. So non lui, c'est Kix Binet, ok. Christy, vrai nom, but Zamel Rele Kix. So Kix, moi fait que metto au skounia là. Ok. So the mic is yours now. You can start. All right. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir, un honneur pour moi pour la soirée pour capable parler de real estate. Désolé si caméra me comparait, moi mon nouveau laptop m'a PC gérer différents screen là. Donc effectivement Jean-Alberto dit donc moi elle Christy et toutes amis moun ki konnen spécifiquement sur internet a plus konnen sur nom Kix là qui c'est nickname moi. Donc moi commencé investir dans immobilier et ça gagne de cela un an. Oui, justement, ça prend bien un an. Et effectivement, c'est une conversation que j'ai fait avec Alberto et on l'a parlé parce que généralement, on parle de questions de business, investissement et tout. Et puis, moi, j'ai dit là, oui, ça se voit que moi, intéressé là-dedans. Et puis, justement, moi, prends action parce que c'est ça qui est toujours important. L'on intéressé, font bagarre, faut prendre action. Donc, je reach out à deux, trois moun, random moun que moi, je sur Instagram, moi, qui t'a fait ça. Moi des conseils, moi acheter livre, moi acheter classe pour vraiment comprendre dans qui ça que m'd'apprendre et puis automatiquement que m'té gon un minimum de connaissance sur dossier justement moi lancé dans real estate donc on y a moi gain trois propriétés donc nous pral parler de qui gens ou cap on jeune pour capable commencer investir dans immobilier avant m'd'a aimé si nous t'es capable dire dans chat là qui côté exactement que nous y est donc moi mon Alberto dit nous on petit gens éparpillés à travers le monde donc tout le monde pas États-Unis qui vient faire que façon que m'a pas délivrer à petit gens différents parce que ça qui marche pour un monde qui États-Unis pas nécessairement même bagage pour un monde qui en Haïti ou bien dans l'autre pays donc si nous capable dire dans qui pays nous y rapidement pour moi capable commencer je commence à partager dans chat là en New York Massachusetts Florida Haïti New York Florida New York, Okay. You can see them. Yeah. Okay. All right. Bon minute, Kix. On se connaît bien. Maryland. Guys, encore une fois, si vous l'ensemble avec nous pour la première fois, vous capable remarquer que m'a partagé un link over dans chat là. Ok. Premier link là, c'est pour nous capable briter en contact ensemble avec vous pour nous gagner coordonnées. Deuxième link là, son groupe WhatsApp que nous gagnons capable de joindre si ça intéresse ou pour ensemble avec nous. All right. Can I talk now? Yeah. Okay, great. All right. Donc moi ma PC partager et screen moi avec nous mais en fait Alberto c'est screen pour qui va? Is it? Non, demain. Wait, no, never mind. No, that's not true. Never mind. Okay. Donc là nous capable ou screen moi faire me connaître s'il vous plaît. Dis-moi que nous kawel parce que moi pas qu'à lire chat là pendant m'a regarder screen dans moi-même. Donc si nous elle fait me connaître que nous elle. Not yet. Okay. Nous gain Chili là toi, swear. My god. Yes, welcome Chili. Chili, okay, great. Okay, so whenever yes, we good now. Perfect. Okay. So
Présentation, ça, normalement, c'est en anglais que je prépare, mais je vais livrer en créole de façon à ce que tout le monde comprenne et tout le monde sur la même page. Donc, effectivement, moi, j'ai une licence dans Public Administration, qui c'est administration publique. Moi, j'ai une maîtrise dans Business Administration. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de degré, vous n'avez pas besoin ni licence, ni master, nothing. Rien de ça pour investir dans l'immobilier. N'importe qui a investi dans l'immobilier, et il y a un bagage qui est un peu plus toujours pensé qui n'est pas vrai du tout. Il y a des gens qui pensent que faut que c'est un realtor ou bien un créole sans nourrir un agent immobilier pour investir dans real estate. Vous n'avez pas besoin de ça du tout. Vous n'avez pas besoin de licence dans real estate. Vous n'avez pas besoin d'aucun knowledge, alors aucune connaissance dans le real estate pour investir. Donc, différentes façons pour pouvoir investir dans l'immobilier, c'est quatre façons que vous mettez là. Et je souviens l'autre façon tout, mais ça aussi, c'est une façon qui est prioritaire. Donc, c'est là où acheter un carré. Donc, vous pouvez acheter un carré à n'importe côté, vous pouvez même marcher côté que vous avez évolué, ça veut dire que vous République Dominicaine, ou capable acheter République Dominicaine, ou bien ou acheter n'importe l'autre côté, les capables États-Unis, n'importe quel pays du monde, n'importe côté, ou capable acheter ton cas, ou capable investir, ou pas obligé de rester côté à nécessairement. Ou bien leur vendre une propriété. Donc, qui j'en fais comme ça, c'est par exemple leur acheter une propriété qui est en détresse, en anglais ça nous relie à distressed property. Donc, ça veut dire ça son cas qui pas en état. Et les gens ont des problèmes, et différents problèmes. Problème plomberie, électricité, ou bien calamité écrasé, ou bien il besoin de réparation et sur le plan cosmétique, ou acheter cala à un prix qui est très bas, 30 000 $ comme ça par exemple, pour y a ou ranger cala, l'offre de ranger cala, pour y a ou mettre cala sous manger, y a l'offre de mettre cala sous manger, pour y a vendre cala pour un profit. Donc, disons que cala acheter pour 30 000, ou ranger cala pour 20 000 $, ça fait 50. Ou ka vendre ça kay ça pour 100 000, 150 000, 120 000, dépendamment de nan ki marché ki ap évolué. Ça c'est deuxième façon pour ka faire l'argent dans immobilier. Troisième façon ka faire l'argent dans immobilier, c'est pendant que ou ap gérer kay pour moun. Donc il y a moun ki gen kay, par exemple moun nan gen arrêté en Haïti, il y a 3 appartements New York, li besoin yon moun pour gérer appartement ou li. Moun sa paye ou yon frais par mois, par exemple 10%, 20%, li paye ou par mois. Pour ou ka fè sa pou li, ça veut dire pendant moun sa va la ou même juste c'est the property manager, c'est ou ka gérer tout ça qui passe dans propriété. Donc ça sont bonne option pour moun ki pou prêt pour acheter un kay, mais qui ta reme konnen ki jan pour gérer un kay, parce que acheter un kay c'est yon, mais gérer un kay avec l'ordre des locataires c'est deux. Donc ça son bagay fò pou vraiment, ça son l'autre domaine dans lui-même. Donc pour n'importe monde qui t'a voulu entrer dans l'immobilier mais qui pas prêt ou bien qui t'a peut-être voulu kind of ouais qui gens ça marché, moi ben c'est like being a property manager pour et gérer propriété dans l'autre monde sont très bonnes options. Et quatrième option, gain rental. Donc on très bonne option encore pour monde qui pas prêt pour acheter caille, et ça sont bagage un peu monde pas connaît. Mais durant les 3 ou 4 dernières années qui viennent aussi gens plus populaires méthode ça. Donc, méthode ça, c'est l'heure que vous louez un kay et puis vous sous-louez un kay là. Et disons que moi loué un appartement Florida et Miami, moi loué un kay là, quand il y a mal sous-loué, ça veut dire moi mettez sous Airbnb et moi mettez sous différentes plateformes telles que Verbo, toute plateforme qui fait et short rental. C'est-à-dire, moun ap vini, yo pa prete nan kala, yo pa gon kontra de bay, kote moun ap fè 1 an ou plus nan kala. Tout moun, suppose tout moun, petèt kon sa ki Airbnb. Donc, c'est un bon hôtel pratiquement, moun ap vini, fè 3 jours, fè 1 semaine, il fè 4 semaines. Et généralement, ça, li pi rentable que yon moun ki rete nan kala stable. Un exemple très simple, disons que là, moun gen yon duplex ki gen 2 bords. Gen yon bord ki loue long term. Ça veut dire moun sa paye 1000 $ chaque mois. L'autre bois ali même moi fait short term. Ça veut dire moi mettre sur Airbnb et m'ai possibilité pour faire 1000 $ chaque semaine parce que c'est moi qui mettais prix à par nuit. Donc le moun nan fini par exemple moun ka fait 7 jours dépendamment de prix moi mettais par nuit, moun sa le aller m'ka fait 1000 $ qui pratiquement ka tout prix mortgage là. Donc en pile moun reme rental well, reme short term. Et qui c'est, disons, ça nous relie les court terme. Et c'est ça qui fait qu'on y a un gouvernement commencé à mettre 2-3 restrictions dans une série de
dans série de villes, dans série de states tels que Atlanta et ouais, Philadelphia, tout. Dernièrement, ils ont mis en restriction, côté que ils ont limité la quantité de propriétés qu'ils ont gagnées et qu'ils ont mis sous short-term rental. Donc, rentals, dernière partie, ça lié le rental arbitrage. Et si ça sont pas intéressé au monde, capable juste monter sur YouTube ou écrire rental arbitrage, ou avoir un paquet de bonnes informations. Rental arbitrage, encore une fois, c'est pour le monde qui au prêt pour acheter un cas, mais qui voulait investir dans l'immobilier, qui gagne un capital. Ça veut dire crédit ou bien droit, peut-être beaucoup à point. Ou du moins, ou beaucoup gagne 20%, 20% ou bail comme dépôt pour acheter un cas, mais ou vraiment veut investir. Disons, ou bien 3 000 $ et ou voulez investir dans l'immobilier, then, ce qu'on fait, c'est justement louer un cas, et puis, cas ça pour louer, à, ou mettre sur Airbnb, ou bien Super Bowl, ou meubler cas là. Et puis, ou juste gérer Kala. Ça veut dire ou c'est manager ou gérer Kala, ou bien moun kap vini de semaine en semaine, etc. Extrêmement rentable. Mais moi, je voulais dire, s'il vous plaît, pas faire ça sans que mettre Kala pas connaître c'est ça ou ap fait. Parce que gen de moun qui, justement, louer un kay, y a le sous-louer Kala ou mettre sur Airbnb, mais ou pas jamais dit mettre Kala c'est ça ou fait. Ça veut dire par une clause dans le contrat qui écrit que c'est ça ou fait et que y a bon droit pour faire ça. Si on apprend à faire, soit un voisin à 10 mètres carrés ça, ou que pour une raison ou l'autre, on a mal passé mètres carrés là, découvrir qu'on fait ça, ou qu'on a un gros problème. Donc, on est capable de faire payer d'un petit frais, ça veut dire 3 fois la valeur du loyer, etc. Enfin, donc, vous ne pouvez pas faire ça du tout. Si vous voulez faire un arbitrage, please, 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 faites façon pour faire là the right way, qui c'est 10 mètres carrés là, ou bien the property manager, mais qui intention. Donc, ça, c'est façon pour investir dans l'immobilier pour profit. Et pour qui ça, moi, personnellement, encourager jeunes à investir dans l'immobilier? Parce que je pense que notre culture haïtienne, nous vraiment une très mauvaise culture de l'argent. Et peut-être parce que l'argent est toujours un luxe pour un pile monde, pour nous en général dans le pays. Hein? Donc, ce n'est pas un barrage que nous parler de l'impile, nous pas parler d'investissement assez. Et ben, c'est l'heure pour nous commencer à faire genre de conversation ça. Et yon barak ke nou me fè, se vremen kom si ankouraje jen pou fè investisman, ke se so ap investi nan stock market, ke se so ap investi nan immobilier, nan nèpot sa liye a, but toujou fè an sot ke l'ajan ou fè l'travay. Donk, real estate se yon nan meyon fason pou ka fè l'ajan travay, pa gen yon milyoner a travèr le moun ki pa gen real estate, pa gen sa li pa eksiste du tout, pou ka fè rechèche la, ou mèm tout moun ki gen l'ajan, gen o mwen yon kay sou nou yo. Parce que immobilier, c'est un, et ça yon en anglais, yon asset. Donc, son bagay qui mette l'argent dans poche. Mwen kwe en français ou créole, yon asset son actif. Donc, son bagay que vous achetez, mais au fil du temps, quand mettez quoi? Parce que yon immobilier, yon kay, son bagay qui normalement supposé, il pas toujours comme ça, mais normalement supposé valeur la augmenter au fil des ans. Yon kay ou t'achete Floride ane pase, koun ya la sûrement vaut peut-être même 15, 20, 30%. Floride, par exemple, qui sont marché qui extrêmement, extrêmement cher. Moun ki t'achete kay en 2000, moi personnellement, mon zan ki t'achete kay en 2020, fait que son vende kay la, il fait pratiquement 75% profit sur kay la. Donc, My c'est ça, God. il faut. Sorry? No, I said my God. Yeah. That's crazy. Donc, justement, donc c'est ça, et immobilier, yeah. Donc, je pense que même, en Haïti, on a toujours des gens qui toujours dit, pourquoi ça va acheter ton terre? Pourquoi ça va acheter ton terre? Parce que justement, yon terre qu'on t'a acheté il y a de cela 5 ans, pour qu'on t'a acheté là, je veux dire, c'est pas même prix, on va venir pour plus comme. À moins que c'est un terre acheté dans une zone qui ne vient pas bon du tout et que tout le monde a quitté zone là. Et même là encore, vous ne pouvez pas prendre ça tout le temps. Donc, dans 20 ans, vous ne pouvez pas prendre ça lui-même la vie. Donc, c'est dans tous les pays du monde que stratégie ça est applicable. Et ça, quand vous avez fait mauvais achat tout dans l'immobilier, ou quand acheter dans une zone, bon bagay qui vient passer dans une zone, quand vous juste, ça veut dire depreciate, ça veut dire que prix quand vous descend, mais généralement, prix quand toujours monté, généralement. Et donc, one second. All right. Donc, En seconde, Kix. Sorry. Encore une fois, si vous faites rejoindre, vous pouvez pouvez m'a partager un link over and over dans le chat là, please, remplis-le pour nous. Remplis-le pour nous, ça permet nous capable rester en communication ensemble avant et puis il y a un link tout c'est un groupe WhatsApp que nous gagne, si vous voulez rejoindre, vous capable de cliquer là pour diriger directly dans WhatsApp groupe là. All right, you're good. Okay.
So, encore une fois, ça c'est ça que je me suis dit là et tout à l'heure et en détail. Et rental arbitrage, qui c'est vraiment une façon qui permet, je pense qu'il est très inclusive, il inclut plus de monde dans le processus d'investissement dans le real estate. Parce que justement, si on est beaucoup prêt pour l'acheter un caille, ça va veut dire qu'il va investir dans l'immobilier. Donc, rental arbitrage, c'est justement pour les gens qui sont beaucoup prêt pour acheter. Cap investissement flipping qui sont on l'autre stratégie que nous avons parlé de l'italien flipping là justement et quelqu'un qui aime flipping en ville flipping c'est le Washington qui est crasé qui est en détresse qui vraiment en très mauvais état pas belle du tout et puis ou flipping ça veut dire ou like ça ou quand il est flip ou bien ou turnover donc ou ranger car là et pour remettre car là sur marché ou vendre car là pour un profit buy and hold so buy and hold vle di achete et puis kembe. Ça veut dire nous même nous c'est investisseurs qui pas vendre kay nou pou quoi que n'importe ça passe nous pas vle vendre. À moins que ce soit raison vraiment nous pas connait qui fait tellement off la belle nous dit OK fine n'a vendre but buy and hold c'est une meilleure façon. Alors meilleure stratégie je dirais dans immobilier, ça veut dire ou acheter kay ça il y a bon offre pour lui chaque deux semaines, chaque mois, ou dit qu'il ça ou pas venir. Parce que ou connaît que vous actif dans le monde, dans une question de 6 ans, 10 ans, 20 ans, il pratique à vous deux fois, trois fois la valeur. Donc, si vous venez aujourd'hui, dans 10 ans, 20 ans, justement, l'offre vient à regarder combien de cobs actifs ça tapie, ou qu'il y a un regret pour dire qu'il n'y a pas de venir. Donc, et justement, plus ou qu'il y a là, c'est plus. Ça va être net worth ou à augmenter. C'est ça va être appreciation. Ça va être Kaila et actif là, la, je suppose, appreciate. Donc, apprécier, I don't know si bah, c'est moi à ça, but la appreciate, son prix, valeur la montée de d'année en année, etc. On peut acheter un car pour 150 000 $ aujourd'hui, dans 10, 20 ans, qu'elle a vendu 400 000 $. Donc, après ça, gain encore une fois ça really REITs, ça c'est pour coucher là, dormir tout. Guys, mute please. REITs, ça c'est stock. So ça on va aller en tout cas parler nous plus de lui. Donc ça c'est là investir à travers stock comme si pour acheter stock et qui gain rapport avec et immobilier. Dernier l'autre stratégie c'est syndication. Donc syndication c'est un coup là, il y a 10 moun après meeting ça, il y a 10 moun qui dit OK. Nous voulons investir dans immobilier, nous voulons acheter un car qui vend 300 000 $. Mais pas un moun qui gain comme si comme là pour dire OK, m'a acheter. Donc nous tout met ensemble, nous dit n'a pas acheter. Nous désigner un moun pour gérer car là qui c'est qui va make the deal happen, ça veut dire moun ça tout moun a dit OK voilà chaque moun parce moun ça va 10 moun ça va 5 moun ça va 20 moun ça a chita avec nous pour dire OK m'a prend comme nous nous tout kounya make a return on investment ça veut dire retour sur investissement que m'a ba nous et make le donc ensemble nous mettez cob là pour acheter car là parce que yon nan nous pas ta bien cob pour acheter pour nous so we syndicate nous tout met tête nous ensemble n'acheter car là à la fin de l'année qu'on y a moun nou te désigné pour gérer car là li juste font réunion avec nous et puis chaque moun participer yo gen moun ki ka peut-être choisi toucher chaque semestre chaque trimestre chaque année donc ça dépend de whatever et j'en dis là ya et vidéo ça moi pas jouer yep can you touch the wool selling pot the which what wool selling the wholesaling oh yes I'm so sorry I forgot about the wholesaling so wholesaling is you don't ou pas besoin d'argent du tout pour faire wholesale. Et wholesale passe plus pour moun ki a vive aux États-Unis. Donc ki jan wholesale il marché, sonje ta la m se parler de flipping, le ou pas ton kay et puis ou range ka la ou vendre. So ki sa un wholesale fait lui-même, c'est lui-même qui a marché chercher kay sa yo et puis après les investisseurs qui pas gen temps pour y a marché chercher kay et puis dit je non kay la pour oui. Moun sa nan kay sa depuis 50 ans, kay la presque écrasé, il pa ka range kay la, but li prêt pour vendre. M'a fòj un contrat. Wholesaler a écrit contrat, ba un investisseur peut-être tant koum ki pa gen tan sa et puis moi-même m'a payé peut-être 3% ou bien 5% de le ka la fin vendre. Donc moun ki fè wholesaling c'est moun ki j'aime dire pa gen problème pou yo ou bien fè cold calling, rele moun nan téléphone di ou pa vann kay sa, moi kay sa m'ta marché, moi kay sa vraiment belle, m'a jwenn moun achete pou, est-ce ou pa vle et cetera.
ou bien moun ki gen tan tou pou pèt marché de kankay ou bien nan kòtye pou yo chèche propriété sa ou ke nou menm investisseur nou vle. Bon, son fason pou ou son investisseur tout son wholesale parce ou ap investi tout nan real estate, men ou pa bezwen absolument pièce kòb. Ou pa bezwen pièce kòb du tout pou fè wholesale. C'est vraiment juste joine kankay et puis ou fè contact là avec yon lot investisseur, lè ka la vann ou pè yo. C'est comme un agent non sens. Et investisseur renmen tout le monde qui flip ka yo renmen wholesaler en pile parce que wholesaler la joine kay qui pas sous marché a ça veut dire le on kay sous marché a tout moun ka wè kay la donc si m'ap vann kay moi là moi mettre sous marché a paquet des milliers de moun apwèl m ka gen n'importe 50 60 100 offre kay la faut moi choisi yon moun comme si moun ap essayer bay plus fort c'est son paquet bagay kay qui pas et kay ça tout m gen wap. Étant donné que c'est supply and demand, donc si je trouve 50 personnes qui ont mis offre qui veulent acheter ça, moi, je vais faire une intéressante, je vais dire, OK, je vais mettre 50 000 $ sur le problème. Well, un monde qui a fait un wholesaler, là, je vais faire un off-market. Ça veut dire que ça passe au marché. Donc, pas vraiment une compétition pour ça. Le monde, ça a juste joint un bon cas pour vous, et généralement, ça le moins cher. Les jeunes cas là, et puis ils disent, voilà, je vais faire un cas pour vous, est-ce que vous avez fait 10 ans, ou fait 10 ans, et puis vous payez le monde. Donc, c'est ça. Et moi pas jouer vidéo ça parce que il parlait de stratégie vraiment et il en anglais tout donc m'a parlé dans next slide là. Donc la raison pour laquelle quand là me dit nous buy and hold qui c'est acheter et puis kembe comme si le plus qu'on capable kembe actif ça pas venir c'est justement pour ça nous discuter tout à l'heure c'est appreciation ça veut dire propriété sa valeur a monté au fil du temps au fil des années et cash flow donc cash flow ça c'est l'argent qui rentre dans main le mois. Cash flow, c'est l'argent fait pendant ou abdomi. Ça veut dire, ou on kay, on duplex ou on fourplex, ou louer chaque appartement, par exemple, pour $1,000, l'argent, ça, c'est l'argent qui garantit qu'on rentre dans mon chaque mois. Ça veut dire. Dis-le qui ça qui est duplex avec fourplex. Oui, so, duplex, justement, c'est une propriété qui a deux appartements là-dedans. Une triplex, une propriété qui a trois appartements là-dedans. Fourplex sont propriété qui gagne 4 et si c'est fiveplex li gagne 5 appartements là-dedans mais ça qui vraiment intéressant c'est que kay sa yo gagne un seul mortgage so par exemple moi avant de tout l'être plus jeune de toujours penser si on moun gagne un complexe ou propriété qui gagne 4 appartements yo paye un différent mortgage pour chaque appartement et là moi pense ça devrait être dumb but justement c'est l'homme commencer puis grand commencer comprendre lui là commencer à et chercher et connaissance sur les sept, moi je me dis ah donc lorsqu'on propriété qui est 4 appartements ou paye un mortgage donc on admet mortgage ou $1,000 par exemple ou louer chaque bon like ou un fourplex ça veut dire ou une propriété qui est 4 appartements mortgage toute carrière la net toute propriété à $1,000 et ou en mesure pour ou louer chaque appartement ça yo pour $800 donc ou fait calcul là 8 fois 4 ou est combien le bail $3,200 ou rentrer ou payer mortgage là ou payer maintenance comme si soit après couper gazon etc. donc ou est combien comme qui était dans mon c'est ça que les cash flow so cash flow c'est le ou louer carrément ou fin payer mortgage ou qu'il y a comme qui était à quand rentrer dans mon là c'est lui même qui cash flow ça veut dire à chaque premier l'argent rentre dans mon parce que rent is due faut mon payer loyer yo fin payer loyer ou payer frais ou payer yo qui c'est ça a les operating expenses de carrière et puis qu'il y a justement cash flow maintenant et pour que ça ouvre les cash flow le cash flow c'est là où commencer faire l'argent vraiment c'est notre cash flow parce que disons chaque mois on va rentrer $500 cash flow $500 ça sous ou ca save sous peut-être 2 ans ou à l'acheter l'autre carrière ou du moins $500 ça il ca peut-être payer l'autre bill il ca payer l'autre bagage ou ka save nan 6 mois pour un voyage. Ça veut dire ça son l'argent qui a pas accumulé ou qui tel son compte l'a pas accumulé qui pral régler en l'autre bagaille. Disons ou fin accumuler cash flow, voilà, acheter l'autre caille ou cash flow encore ou accumuler, c'est comme ça tout moun ka fait comme c'est cash flow que ou gagne. Parce que ça li rentre chaque mois, donc ou pas accumuler de temps en temps. Et autre chose, return on investment, c'est ROI, ça veut dire vraiment le ou fait investissement donc ou, par exemple je te parlais de flipping là et ROI ou fin investi $20,000
ou range kala pou 10 000 dollars, ou ekzanp, sa fè 30, ou vanni pou 70 000 dollars, so return on investment. Sa son lot rezon ki fè ke ou vle kenbe kayo, ou pa vle van nesesèrman. Tax benefits, men ki kote immobilier, surtout aux États-Unis, anko pi enteresan. Donc, immobilier son, li tan pou an bizis ki pa vreman gen pèdu la dan. La rezon pou laquelle se ke, dizon, machon kay e mwen investi 12 000, 13 000 dolar pou mwen range an dan kay la. Le map bay tax mwen, nan debi ane bay IRS, map di IRS men konbyen l'ajan, vin avèk pòv ke mwen te devanse pou mwen range kay la, e mwen jwen yon sot de, it's like, yo deduct la, yo retire l sou tout tax mwen. So, it's a tax benefit. Son avantage ke yo ba ou paske ou se yon property owner ou gen yon kay. Donc jan de bagay sa yo IRS bo kredi pou sa. Donc lo ale ou di ok voilà m de depanse tan, donc yo menm yo bo a proper credit. Even lon kay depreciate. Sa ve di m sot pale yon tanle am di nou ke generalman immobilier toujou monte, men sa ka rive ke li desan, well bon nouvel la se ke menm le li desan pou nya ou pa fin perdre net parce que ou ka al côté justement leur fil taxe ou di IRS kay sa li depreciate so IRS encore une fois bon crédit parce que ou ta achete ton kay au lieu valeur le monter valeur le descend donc yo bon tax credit pour ça donc encore une fois c'est ça que me so dit nous dans immobilier vraiment pas rien perdu et spécifiquement aux États-Unis et donc c'est comme ça par exemple multifamily et comme ça relé au duplex triplex c'est comme ça yo généralement look. Ou bien ça dépend de state là, il y a quand même différents look, but multifamily c'est double toutes propriétés qui commencent avec deux unités, monter jusqu'à 10 etc. Après 10, il y a commencé le commercial, but en bas de 10, entre 2 et 10, c'est eux qui les multifamily properties. Et propriété ça généralement surtout sur États-Unis, c'est eux pour vous l'acheter parce que possibilité retour sur investissement les pillages. Et ou capable d'être créatif avec gens ou louer appartement yo ça veut dire ou capable faire disons bon triplex ou capable faire trois ou capable faire deux parties short term ça veut dire vous mettez deux unités sur Airbnb et vous mettez une unité ou mettez un contrat de bail pour un an là-dedans donc ou make sure que moun ki nan ka la pour un an whatever prix là-dedans déjà payé loyer pas loyer alors déjà payé mortgage là disons mortgage 1000 dollars ou louer un bon pour 1100 dollars et puis de l'autre bord ou capable faire short term avec eux c'est-à-dire ou mettre sur Airbnb Vrbo etc. So toute l'argent ça capable entrer extra justement son opportunité pour gagner more cash flow pour capable accumuler et pour faire l'autre investissement puis devant. Yes. Sorry si mwen interromp ou. Explique ou ki sa mortgage lan yi, please. Ok. So mortgage lan se le par exemple ou achete ton kay, se la bank ou fon prêt. Donc kay la vann 100 000 dollars, ou ale ou di la bank lan gen 10 000, yo di ok, pa yon problème, ban nou 10 000, fin ban nou 10 000, fin ban 10 000 dollars lan, et puis la bank lan finanso respectien. Ou yon ou vin gen yon mortgage, et mwen se sa en français ou l'hypothèque, donc on paye la banque là chaque mois pour moi mortgage là. Et c'est pour acheter une machine par exemple. Donc pour acheter une machine en crédit, ou bail 2000 dollars sur lui ou 10 000 dollars sur lui, donc chaque mois ou bon paiement pour faire pas avant qu'on fini net 100%, c'est comme si il pas où. Donc nous garder depuis fois au dit mon perd du caillou, qui j'en mon perd du caillou, c'est le default, ça veut dire il pas payer mortgage peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois etc. et puis la banque saisit ça là. Parce que son prêt que vous êtes fort pour gagner là. Donc, la bonne chose, c'est que si vous avez les good debt, bad debt, ça veut dire qu'on dette qui bon avec un dette qui pas bon. Mettons mortgage son cas, ils sont good debt. Ça veut dire qu'on bon dette parce que c'est le genre de dette qui mettait l'argent dans la poche. Ça veut dire malgré où doit la banque payer mortgage, mais leur loué comme ça, l'effort fait comme. Au lieu de retirer comme dans la poche, il mettait comme dans la poche. Donc, c'est ça. Et après ça, moi y a un processus pour ou acheter kay la. Ça veut dire et lo a investi dans real estate, li ka un petit peu différent que si ou a acheté ton kay pour ou rete. M pa vraiment vle entrer dans détail parce que moi connais justement public la li très et divergent.
Donc, ça, c'est pour les gens qui aux États-Unis. Donc, si par exemple, on veut investir dans l'immobilier et aux États-Unis, vous pouvez reach out à moi, ma banne Instagram moi après ça, ou bien Twitter, nous avons écrit là. N'importe quelle question, je vais toujours jouer d'eau, même pas, je vais me sentir exclu. Donc, c'est ça que je ne vais pas entrer dans les détails du processus, parce que ça seulement, c'est pour les États-Unis. Et ça, tout, c'est pour les États-Unis. Donc, credit score, qui credit score pour gagner. Ma petite là pour quelques secondes, juste pour moun ki États-Unis ou qui t'a intéressé ou capable ouais quand même. Qui credit score qu'on besoin pour investir moun ki pense fò crédit ou très très bon, c'est-à-dire 650, 700 et up. Non, c'est pas vrai du tout. Crédit ou ka 580, crédit ou ka 620, 600, etc. Ou capable style en mesure pour investir dans real estate. Et rien de programme qui t'a investi avec 0% down deposit, tel que NACA, VA, etc. Mais encore une fois, je ne dis pas, je vais entrer trop dans les détails dans ça pour ne pas exclure l'autre monde. Donc, si toutefois, nous avons des questions sur ça, nous sommes capables toujours reach out. And, oui. Pas qu'on changer, pas qu'on changer. T'as OK. le. Une question là, real quick. Of course. Vie en salier. So, VA, c'est pour veterans. So, moun qui te serve dans Ok. l'armée, qui sont veterans, ou c'est madame ou veteran, ou bien au moins 9 femmes qui sont vétérans, then qualifiées pour un VA, which is what I do. Yep. Ok. All right. Donc, OK. Lorsqu'on achète Kyle, tant qu'on investisseur, qui côté, un pile fois, nous on écrit, nous disons, qui côté pour nous jeune Kyle Sao? Donc, Kyle Sao, je dis, c'est sous market là, tel que Zillow, Redfin, Trulia, ou Google Yo, et vous montez sur le website là. Ou capable de mettre des filtres pour chercher quel type de propriété vous cherchez et dans quel state. Est-ce que ce sont multi-family vous cherchez, donc vous s'en parler de l'autre là, ou bien est-ce que ce sont single family, ça veut dire un seul cas, quel type de propriété, qui côté, qui price, comme si qui prix qu'on prêt pour acheter cas là, qui prouve les cas là, etc. On va faire ça et sous toi et plateforme ça. And off-market, donc off-market, nous avons parlé tout à l'heure de wholesalers, qui c'est moun qui a cherché cas pour vous, qui part sous market là. Quand ça, généralement, c'est eux-mêmes qui toujours pire, c'est diamant, c'est eux pire bon, longtemps, parce que compétition pas même, et généralement, prix au pire abordable. Donc, si par exemple, vous avez un contact avec un wholesaler, ou mettez un wholesaler chercher pour vous. Donc, qui vous avez besoin de contact avec un wholesaler, ça, it's by networking. So, you talk to people. Vous parlez avec moun, vous dites aux gens qui savent les faire, parce que network très important, dans tout business, soit fait spécifiquement dans l'immobilier. Donc, bon, l'autre est barré avec les prop stream. Prop stream, c'est pour moun qui déjà investi, qui vraiment compte qui j'en veux utiliser. Il faut qu'on paye tout son plateforme pour payer. Il est capable de dire qui propriété dans zone ça, il y a qui off market, mais qui a un potentiel comme si est vente. Donc, ou même, ou capable d'aller quand moun ça, ou capable de présenter, ou dire, OK, voilà, nous jouons carrément sur prop stream, mais intéressé pour m'acheter. Ou bien, j'en ai parlé de ça tout à l'heure, cold calling. Ou juste les gens dans le téléphone, random people, vous dire, est-ce qu'on vend ça, est-ce qu'on vend ça, ou est-ce qu'on vend ça, vendre tout, et puis acheter ça là. And then also networking. So, networking, c'est très important. Donc, je pense que dans la communauté haïtienne, un peu de monde toujours trouvé, ou bien toujours dit que networking, c'est sous monde, c'est pas ça du tout. Et parce que je pense que network a mené au côté diplôme ou pas mené. You have to know people, they have to know you. Donc, là, par exemple, ou intéressé investir dans l'immobilier, ou pas qu'à juste à vous dire, OK, mais si vous voulez investir, m'a fait tout à fait pour moi, tout le processus pour moi. Non. Faut qu'on network. Par exemple, ou bien doit écrire au monde, ou dire, mon, écoute, m'intéresse investir dans l'immobilier, oui, etc. Voilà. Et puis voilà que le monde, ça, qu'on a un monde qui a fait nos cailles. Et puis, il dit, ah, bon, on dit, mais ça, bon, cailles là, il faut qu'on soit marché, est-ce qu'on est intéressé? Donc, c'est ça, networking. C'est reach out, écris moun. Si ou intéressé pour bagay, ou vle ou moun comme si guido nan bagay la, écris moun nan. Ou pa jen konen, moun sa ka meton an kontak avek on lot, moun ki ka meton an kontak avek on lot, moun, etc. ainsi de suite. Donc, networking vraiment, vraiment très important. Après ça, nous parler de contingencies. Bab entre dans trop détail nan an contingencies, but lorsque investisseur ou ap achete ton kay, ou pa, ou investisseur pa achete kay sou emosyon. Nou achete kay parce que la mette kob nan poche nou. Donc, yon moun par exemple kap achete yon kay ke li pral viv la dan avèk famil, maman, l papa, l wè mari, piti, whatever, e situasyon, se diferan. Pwese ke sa se dream home ou kwa ap achete, ou vle piti ou alèz, ou vle fam ou alèz, etc. Donc la, emosyon ka entri la dan.
Yon moun ki ap investi pa achete sou emosyon. It doesn't matter si ka la bel, si se pi bel kay ki gen nan zon nan, si pi pa matter si se pi bel kay ki gen sou marché. Si ou fè kalkul ou e ke kay sa pa mette l'ajan nan poche chak mwa, we don't want it, I'm sorry. Ou met kembe kay ou, nou va vle next kay. Nou prefere achete yon kay ki led, ki krasé, ki tre led, men ka mette l'ajan nan poche nou. Donc, contingencies, se justement le ou achete ou achete yon kay, disons on va acheter kay Alberto a vendre kay m'a acheté kay la nomine et puis là au fin fait inspection dans kay là on trouvé que kay là gagne deux trois réparations on y a moi carrément des Alberto pour faire contingencies justement c'est pareil que nous pour mettre dans contrat donc dans contrat ça n'a dit que contrat ça les contingent avec ça nous sautoué donc Alberto te demandé $160,000 m'était offert $160,000 qu'on y a nous va faire contingencies gagne deux séries de bagages pour retirer. Faut qu'Alberto range ça, faut le faire ça avant que marché cala. C'est là tout qui vient gain après contingencies ou gain seller concessions. M'a dit Alberto, OK. Bon, cala gain problème pour $20,000 selon moi, même vraiment marché cala parce que moi c'est gain potentiel. Range bagaille qui pi bagaille pour $10,000, qu'il y a retirer $10,000 sur cobla moi. Ça c'est ça que les seller concessions. So, discussion ça généralement ou fait yo avant appraisal là. Et ou faire avec seller ou dit mais qui concession vous voulez faire pour moi pour m'acheter là donc et faut qu'on sa concessions dans tout justement avant qu'on investisse dans l'immobilier et puis après ça il y a évaluation là nous fin faire concession nous fin parler nous tout d'accord qu'on y a nous fin évaluer propriété là il y aurait non moon like a third party pour venir faire évaluation car là on nous a dit OK il y a car ça vaut 150,000 donc n'a venir ou bien n'a car là va vaut 150,000 c'est 130,000 livres. Ou y a celle ça va tourner encore une fois à côté moun k'ap venir pour discuter avec elle pour dire OK yo faire appraisal au canal par 130 donc qui gens nous ka entendre nous pour for a win-win situation on attend nous on descend rien ou mais voilà mais qui ça peut faire etc. Qu'on finit avec tout ça qu'y a ça c'est avant qu'on close qu'y a on admet moun k'ap venir dire OK m pa ba ou pour 130 m senti m'ap très perdant bot m'a ba ou pour 140 par exemple. Ou est propriété ça lié un peu potentiel ou dit bon OK yeah, I guess m'a acheté pour 140. On va analyser the deal. This is when ou plug in calculator ou rale tout kay ki nan zone nan, ça rele comparable ou garder pour kay ki nan zone nan ki jan yo appreciate. Ça veut dire avec le temps kay nan zone yo ki prio et combien cob que yo vinier comme si au fil du temps. Pour dire OK kay sa si kounya mwen range ou bien mwen maintenir mete le vraiment vraiment nice mais combien cob li va venir et tout automatiquement analyser deal et que deal là nan avantage ou then ou close meaning ou signer document fait tout ça rien pour faire ou buy cob kay ou clé ou nomé ou then the next day ou gen wa gitan commencer faire soit faire dans kala etc et puis ou chercher moun pour louer kala soit faire long term versus short term ou bien si son kay que va ranger pour vendre et tout. Et yes. Mais c'est une grande question qui est vraiment intéressant là. Bon, moi qui dit comme ça, how do you know how much the most urgent renovation will cost if the appraisal takes place after? Because there's an inspection. So the appraisal is the I mean the question is for me Alberto because I mean this is Gregory Kicks. Mm-hmm. Because to me it how are you doing? Good, please. Oh, sorry. I mean, pour moi-même, l'idée de l'inverse, non. Parce que, on comprend ça, disant que, on a demandé moun nan faire réparation qui majeur yo, et puis, seller's concession, c'est basé sur réparation qui majeur yo, avec l'autre réparation qui était pour faire, on a demandé pour fond diminution en prix. Mm-hmm. Mais pour moi-même, inspection, correct me if I'm wrong, c'est un niveau qui moins comme tu as dit ça avancé que complete appraisal parce que appraisal là I guess ou pas obligé d'un ingénieur ou monde qui a fait une bonne estimation de quantité réparation qui méritait faite right. OK donc c'est pas comme ça le marché donc ici dans États-Unis et pas connaissant l'autre marché peut-être différent il fait inspection avant et justement inspection prend plus temps que appraisal parce que il me parle super différent ça. Leur a fait inspection, c'est justement leur ça ingénieur a venu. Yo vinn avec comment, yo vinn avec drone, yo gade roof kay la pour OK,
roof ka la, ki denye fwa chanje, eske nan bon eta? Yo antre anda, yo gade electric, yo gade plomberi ka la, yo gade tout problème ki kapab majeur. C'est ça inspection. Le inspection fini, li pren 2-3 jours yo bon report la. Yo di voilà voilà, mais tout problème ka la gen, mais tout ça yo jwenn. Mais comment comme ça a coûté ça a coûté ça a coûté ça a coûté. OK? Donc, on y a c'est le savoir. L'écoute mettre ka la ou même ou di OK, yeah, I think we have to talk about this. I need a concession, besoin concession pour faire ci pour faire ça. Mettre ka la ka di OK, yeah, right. OK, on y a vinn faire évaluation. Appraisal la évaluation, hein, c'est pas une question de condition ka la seulement. Ces conditions, c'est marché, c'est zone côté lié, c'est qui jan l'autre caillou appreciate, qui vient faire valeur caillou là. Yon caillou qui peut-être, par exemple, après, let's talk about Florida, yon caillou vient dans un très piteux état. Ça veut dire inspection vraiment pas passé. Mais le fait que caillou ça, beau caraton, les styles même prix avec mon autre caillou qui passe inspection. Qui, I don't know, North Miami, for example. And that's just me, that's a crazy comparison, but c'est juste pour dire, parce que it's Boca Raton, you know? Boca Raton, tout le monde connaît qui, what's Boca versus maybe North Miami, if you on 27 Ave, c'est pas la même chose. Donc, c'est appraisal, évaluation, pas seulement y en voir avec Kayla lui-même, mais sinon avec tout l'environnement Kayla. Donc, dans qui zone ni est, est-ce que son zone qui gentrified, ça veut dire que moun riche commence à venir à pit là dans le prix loyer commence à monter, prix kay commence à monter, donc tout ça vient à bord. Donc c'est pourquoi vous faites appraisal après inspection. OK, nous avons moun qui mande est-ce que c'est banque là qui a prêté cob là pour acheter kay là qui voyait moun nan moun pour appraisal là. Non, c'est pas banque. En fait, lender. En d'autres termes oui, lender. So making loan faire ça aurait les pre-approval. Donc, ça c'est détail. Sorry, c'est maintenant. Théo, vous, l'audio en anglais, faut dire mieux ça que le lien. Oh, désolé. Oui, ça veut dire pre-approval, c'est là que vous allez et puis vous approuvez. Ou bien tout document net, vous gardez, vous dites, OK, il y a mon salaire, crédit pas mal, et l'idée, il y a $10,000 déposit et dépôt. Donc, il y a mon salaire qualifié pour mon cas 200 000, par exemple. So, you vin vo lot document ba ou ki a pral explique the closing cost. Closing cost ça veut dire c'est tout frais ou a besoin payer à part de down deposit, à part de dépôt ka $10,000, closing cost nan ki c'est frais pour close sou ka la, y a droit $5,000. Donc, nan $5,000 ça kounya c'est justement là que vous mettez prix appraisal inspection tout ça. Donc, c'est ou ka paye, mais c'est yo ka voye moun nan. Donc question pour me répondre, c'est ça, c'est oui, mais c'est banque là qui a voué moun ou bien qui a joué moun pa ou, mais on toujours recommande juste use moun pa ou, and on third party be done with it. And après ça, et moi te guion, that's like a, m'pap vraiment entrer, en fait, m'pap c'est le tap intéressant, sous ta fête. Yeah, okay, so, quick analysis of this, m'en vie faire avec nous. Et talè, moi personnellement pas ka wè tout parti nan ekran nan. Why is that? OK, voilà. Donc, là nous gen trois kay. Nous gen James qui rete sorry guys, one sec. OK, nous gen James qui rete Florida, OK? Donc premier kay là c'est kay James right here. Pendant James est Florida, li gen kay ça Virginia. Chaque mois, Kaisa mettait $200 dans poche. Ça veut dire que le fin paye mortgage, j'ai fin paye tout frais, etc. Kaisa mettait $200 chaque mois dans poche James. On publiquement déposer sur un compte, n'oubliez. Deuxième cas, nous avons Ted. Nous avons Ted lui-même. Il était resté dans l'appartement $1,000. Il a payé loyer $1,000. Nous avons lui remet appartement, il dit pas besoin encore. L'achetons Kaisa. Mais l'achetons triplex. Un triplex, se sonje, c'est un propriété qui vient 3 et unité là-dedans. Li rete dans yon, koun ya li loue tous les deux lot yo. Li cash flow negative. Ça veut dire le mois, li ba yon kob ki rentre dans mel, mais li baye $50. Ça veut dire le moun yo fin paye li loyer, li paye mortgage nan koun ya, li manke $50.
Donc, il mettait $50 pour le payer mortgage. Nous avons Jessica, qui est troisième monde, qui était à New York. Et puis, Kaisa, c'est pour lui. Et il y a Kaisa Indiana, il break-even. Break-even, ça veut dire qu'il n'a pas perdu comme il va faire comme. Coup Kaisa, mortgage Kaisa avec et frais pour faire maintenance Kaisa, $1,500 au exemple. Et puis, l'argent qu'on a, justement, c'est $1,500. So, il n'a pas perdu comme il va faire comme. Il n'a pas fait rien du tout. Il va faire le pas perdu. Dans trois mounsa ou qui moun nous pensez qu'il a une meilleure position. Guys. James, ok. Why James? Pourquoi ça se passe c'est James? For me, I feel like James make it, making more money, since Florida is a competition state. Anyways, he's just putting in 50. So and you're talking about Ted or about James? Ted now. Ted would be the one that's making more sense because Ted's not paying nothing. Mm-hmm. And his rent is being paid for. So Ted be winning. Okay. Would think, okay, so somebody, I'm going to say, I'm going to say that James, I'm going to say James, because he's going to cash flow $200. Okay, perfect. I'm going right. to Okay, the investor in me, I'm going to tell you, I don't want to be James at all. I could James no position qui pas bon. Mais moun ki nan position qui pi mal là, of course, c'est Jessica, parce que what's the point really? Jessica va cash flow du tout, Jessica va friend du tout, so vraiment nobody wants to be Jessica. The only thing c'est que Jessica lui-même nan 5 ans ka revend Kaisa et Kaisa capable, you know, kala capable appreciate, ça veut dire valeur kala monter. Donc seule façon Jessica fait comme là, c'est vraiment appreciation. Regardez mon tout James, par exemple. James fait $200 hein, chaque mois. Mais that's not bad. Peut-être ça va payer bill courant or something. Or il a skimbé $200 ça. $200 ça peut être rangé. Un petit problème dans le cas là, au fil du temps. I don't know, but 200 is... We don't want 200 cash flow because that's just... Pour nous-mêmes investisseurs, that's horrible cash flow. Now, Ted, c'est moi qui est dans la meilleure position. Parce que Ted a payé $1,000 loyer, ou Ted a payé $50 le mois. Ça veut dire deux autres appartements, ils ont pratiquement payé tout 99% mortgage. Donc, si vous avez payé $1,000 loyer et que vous avez payé $50, qui sont fait avec l'autre $950 là? Continuez à payer Ted. Payez sur vos comptes chaque mois. 950 par 12, ou est-ce que vous avez you repeat the process ou l'achete un autre kay ou répéter même processus ça l'achete un autre kay. Donc le tête quitte kay ça kounya tête pral cash flow et là kounya pral fait sens. By the time tête quitte cash kay ça $950 ça que li kasse kounya chaque mois sous 36 mois disons fait 3 ans là sous 36 mois li toujours paye tête li loyer 950 par 36 par exemple. Ou est-ce que mes propres têtes accumulées juste parce que li retenait dans une unité, li louait de l'autre unité et la paye seulement $50 chaque mois. Donc, vraiment pour moi-même, Ted, c'est mon qui n'a plus bonne position, hein? Vraiment, vraiment meilleure position. Hein? Préfère Ted que James, honestly. Et pas qu'on est signé mon qui peut être ajouté un bagage sur ça ou mais qui toujours être quoi James better et que vous avez peut-être bah, nous une idée sur ça. Non. All right. Well, justement donc c'est là par exemple où vous voulez investir dans immobilier, c'est comme ça pour commencer penser. C'est ça qui mettait plus l'argent dans poche ou c'est lui même pour faire. Songez ça me dit nous émotion ou pas qu'à investir avec émotion. Si vous avez investi avec émotion, pam ou pas pour près. Ou gagner ouais $200 ou dire oh my god, yes, $200 I want everybody wants more money. Donc sure, $200 vous voulez comme ça la kounya. But then l'orga de ou ka save 950 versus 200, il fait plus sens pour vous en tant qu'investisseur. Vous êtes un investisseur qui est intelligent, ou dites tout, nah,
non seulement loi éliminée pratiquement, mais quand ça a valeur à monter tout. So, kind of like twice ou fait quoi deux fois, de façon différente. Donc, d'ailleurs, nous commençons plus à penser en tant que yon investisseur justement, and versus penser en tant que, you know, juste ouais, $200 vous dites, yeah, that's a great deal, but no, it's a horrible deal, if you ask me, honestly. What else? Let's see. And I think, okay, donc, deal analysis. Please. Encore une fois, guys, si vous là ensemble avec nous, faites monter ou du moins pas qu'on remplit formulaire yo. Please, please, remplis formulaire pour nous. Ça permet nous capable de en communication ensemble avec vous et puis aider dans la mesure que l'esprit même lui permet. Ok, nous partager l'over and over. Gagnez un link, c'est pour un formulaire. Deuxième link, c'est pour un WhatsApp group que nous gagnez. Vous capable de cliquer sur lui là pour diriger là-dedans. Alright, the mic is yours. Ok, alright, so deal analysis. So, tu as nous parlé de qui j'en analyse un deal. L'orage son cas, justement, nous se dit, va racheter sous émotion. Faut que tout bagage ça un avantage ou un intérêt. Market là, ça veut dire, market là, c'est qui qu'on doit acheter, dans qui state, dans qui city. On va acheter Florida, on passe un peu de Florida, si on parle de Florida, everybody loves Florida. It's Florida. What, il tout près Haïti, il y a weather amazing. Donc, Vive Florida. Yeah, donc tout le monde aime Florida, right? But you have to also understand that Florida, par exemple, c'est pas un cash flow market. C'est très difficile pour cash flow Florida, but quand vous appréciez. So, en tant qu'investisseur, faut qu'on connaisse tout qui soit cherché. Est-ce qu'on cherche cash flow, monthly cash flow, ou bien est-ce qu'on cherche somebody raise their hand. You know what? Keep on going. N'a pas une question après net. At the end, okay, that's it. Yeah, so market. So you have to know your market. Ou pas qu'à entrer ou demain matin on dit, prends acheter un duplex Florida. Most likely il pas cash flow parce que un duplex Florida par exemple car $700,000 right now, yo très 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 difficile à trouver. Investisseur qui fait millionnaire pas bon chance most likely parce que yo cash tel cash et most likely pas cash flow. $750,000 ou ka louer chaque bois pour 2300 maybe 2000 yeah. Donc faut qu'on marche avec investir là-dedans. Qui j'en pour qu'on marche à networking. Ou parler avec moun ou monter sur Facebook par exemple, ou chercher real estate investors in Florida. I don't know, black real estate investors, female real estate, whatever you want to look for, but ou chercher un groupe moun pour capable network avec vous. Ou monter sur IG ou jeune moun par exemple tant pour qui na real estate ou écrit moun dit mais écoute mais qui ça me veut faire, soit aider qui conseil ou capable moi etc. Donc c'est by networking pour qu'on marche. Et puis tout, ou monter online sur Zillow ou garder prix kayo ou gagne l'autre plateforme qui est le Rentometer, c'est lui même nous-même investisseurs nous utiliser. Donc ou garder combien comme loyer y est dans zone ça, comme si North Miami versus Boca versus West Palm Beach etc. Donc location, faut qu'on connaisse location là, est-ce que son bon location y est, is it class C, class B, donc différence entre class C, class C. Et ça c'est plus vraiment pour moi qui est États-Unis. Ça veut dire est-ce que son zone qui remplit le prix, est-ce qu'il y a bon l'école, qui est-ce qu'il gentrified, quel type de zone que y est. Comparative market analysis, ça c'est justement l'heure où on va comparer marché avec marché pour qu'on ait exactement qui côté pour choisir. Par exemple, là dans Florida, et market Kendall là, c'est pas market West Palm Beach. Market West Palm Beach, c'est pas market Tampa. Donc c'est là que vous faites comparative market analysis. Rental income, vous cherchez rental income, ça veut dire combien l'argent vous allouez chaque unité. Et l'argent après unité, est-ce que l'île n'en faveur? Est-ce que la bon pour vous? Parce que s'il pas bon pour vous, sorry, il mette plus belle caille qui existait, you don't want it. Management fees, faut qu'on connaît. Combien quoi ça a coûté vraiment pour fond moun manage propriété ça pour vous? Is it a lot going on? Donc faut qu'on connaît management fees, faut qu'on calcule tout ça dans l'argent après entrer pour connaît. Est-ce que investissement ça a bon pour moi? Maintenance cost. Si par exemple son kay qui a 10 000 problèmes, soit li yon côté, par contre, bon la ou y a bon pothole, kole la pi tombe, blo toujou ap monte, tenant apre lo nan telephone, kwez mka djou sa tenant, yo pa bezwen konnen, si ou ap dormi, sou an voyage, whatever koto ya, y apre lo minute, they want it fixed right now. Donc, maintenance, fok ou konnen, ok, eske son kay kap mwen what maintenance? Because if that's the case, I don't want it. Parce que mpa vle pou cash flow a pour maintenance l'argent pour me mettre comme si me fait maintenance ca là m'pa vle li boue cash flow a. Donc si son ca c'est gaz on pourrait couper là dedans par exemple
$80, ou gen an met sa nan kontra, ou di ke met ka la ap paye e gazon. Donc, $80 le mois, ou di ok, ya, sa va tan, ou konete pou Florida, par exemple, pou pa yon pou etire snow, pou tout pilo a zao. Donc, $80, yeah, that's not bad. Men si son konete, par exemple, pa pou fè sa, pa pou fè, si pa pou paye de l'eau, e met ka la paye de l'eau, met ka la paye souwe, met ka la paye, si met ka la paye, comment, like, if it doesn't make sense. Si par exemple, rental income, ça veut dire l'argent que wap rentre à par supérieur, vraiment supérieur, l'offin paye mortgage là, versus expense pour maintain kala, ça veut dire frais pour kembe kala en condition, si li pas proportionnel et que vraiment, après ouais, c'est $100 après d'eau, it's not the good deal. Après ça, vraiment, chercher potential ROI, combien return on investment ou fait. Ça veut dire si propriété ça m'acheter là, moi mettre $15,000 dehors, combien m'a fait? So généralement we shoot for 10%, 10%, 10, 20%. Combien m'a fait at the end? Est-ce que pour année m'a rentré $3,500 ou mais $2,500 sous année en comparaison à $10,000 m'te mettre dehors? Et ça important pour tout. Donc faut qu'on compte tout pile à ça. Malheureusement, ça va être entré dans détail de bagaille ça, but on l'autre fois peut-être n'a une opportunité on parler de ça. Donc c'est tout bas ça pour garder avant ou acheter un kay pour investir. Resources. Donc moi toujours dis au monde n'importe quoi vous faire, vous pouvez investir dans le real estate. Pour y aller pour faire, c'est recherche. Encore une fois, ne pas investir sous émotion. Faut qu'on soit fait, faut qu'on pour qu'il soit fait. Donc là moi j'ai deux trois livres qui très très intéressant que moi invité nous à lire sur real estate. Donc Rich Dad Poor Dad. Monsieur Gemon dans groupe là qui lit livre ça déjà extraordinaire. Ça c'est un livre qui vraiment fait différence entre actif passif qu'il faut qu'on ait pour qui ça chaque monde ta doit gagner un cas. Quand même ta doit gagner un immobilier, ta doit investir dans immobilier. Donc ça très important Rich Dad Poor Dad sous cache livre ça à soi même I would because livre ça lit amazing. En français il relé Père riche père pauvre. Après ça gagne The Millionaire Real Estate Investor. Total Money Makeover, qui apprend nous gérer l'argent, dette, etc. The Ends of Investor, Richest Man in Babylon, Vivid Vision. Vivid Vision qui sont livres extraordinaires, tout que moi j'aime. Et qui aide à mettre vision en termes d'investissement sous papier et comme si qui étape, qui action qu'on va prendre pour réaliser par ça. Et ça va nécessairement y avoir avec real estate seulement ou bien immobilier etc. N'importe ça qu'on veut faire dans la vie whatever que tu dans l'école dans le travail ça qu'on veut accomplir là par exemple où on vise où on vivid vision et où écrit bagayo et tout li vraiment et comme tu as dit ça baou étape par étape qui gens pour baiter ta motivation pour arriver faire ça qu'on veut faire ça qu'on veut faire après ça one rental at a time encore une fois pour monde qui peut-être déjà investi dans real estate that's a great one donc on va acheter livre ça et puis un podcast donc bigger pocket podcast and rental income podcast on va joindre yo sous un iPhone on va joindre sous app podcast là moi quoi bigger pocket on va joindre sur YouTube so vraiment vraiment intéressant bigger pocket mettez comme qu'a dit ça bigger pocket c'est une plateforme qui vraiment by moon tant coup une opportunité pour venir parler de qui côté on a commencé à qui côté aujourd'hui moon qui arrivé fait millions dans immobilier dans l'espace de 3 ans qui stratégie ont été utilisé dans qui marché ont investi etc. So vraiment garantie ou apprendre pile bail and last but not least network j'aime dire nous network donc nous là entre nous tout monde qui intéressé à immobilier network mettez connu nous dehors pour nous connu monde reach out écrit monde nous connaît qu'a faire qu'a investir dans immobilier pas peur écrit ça va force monde je sais que monde dit mais qui savent les faire qui gens au caido gien pas répondre gien qu'a répondre but it's okay ça prend seulement un seul yes un seul monde seulement qui pour répondre nous qui pour choisir et do I said matters over feelings. Yep, exactly. Donc c'est ça. Et encore une fois, I don't know questions, but avant, n'importe qui qui voulait follow, moi poster et me faire ça plus sous poster de real estate sous Instagram plus. Donc avec Twitter, tout moi toujours fait thread sur real estate.
Donc, si vous voulez follow sur Instagram ou bien Twitter, c'est KixBinet. Donc, tous les deux, c'est même parallèle. On va prendre une page, on va prendre, et puis on met follow. N'importe question, il y a tout, n'importe l'autre, l'heure, ou capable de reach out, écrire. Moi, généralement, très responsive. Non, on joue quand même après pour nous. Donc, prêt pour m'aider tout le monde. N'importe question, ou bien écrire. Si je n'ai pas une réponse, je vais chercher pour vous et je vais vous donner pour quand même. Donc, je vais connaître si il y a une question avant que moi aller. All right. Nous avons quelques questions. Juste avant, maman, je vous remercie infiniment. C'est un super bel exposé. Je pense que c'était assez clair pour tout le monde. Pas de gain vraiment qui était ambigu. Avant même que nous prenions des questions, combien de monde qui était content de la présentation de Christine? Combien de monde qui apprend? So, mettez du feu dans le chat. Là. Si vous avez un monde, ça, vous manifestez ça dans le chat. Là. Manifestez ça dans le chat là, pour être capable. Une question que nous avons gagné, c'est que. En gain au monde qui t'a demandé si il en Haïti est-ce que il est capable d'investir dans l'USD aux États-Unis. OK, yeah, yeah, ou capable. So, j'ai une question ça en pile. Oui, soit en Haïti ou capable d'investir dans l'immobilier. Façon qui peut être plus facile pour investir dans l'immobilier, c'est deux bagages. Ou capable faire rental arbitrage là, c'est-à-dire louer yon kay et l'autre cara ou mettre cara sur Airbnb. But pour faire ça, il faut que vous monde qui fait la voix, yon zami, ça veut dire, par contre, si vous avez habitude vini États-Unis ou pas, si vous venez États-Unis ou pas, yon capable, si vous venez États-Unis alors, l'or vini ou rencontrer avec Zamboulan, nous allons dans le listing office, nous choisissons cara, nous finissons cara, nous choisissons cara et tout, la kounya, nous signons contrat cara. Donc, et zami on a toujours si lien social et tout là toujours monde qui primaire sous contrat de bail ou même y a mettre non quand même tant que monde secondaire là et tout et puis ou investi ça veut dire ou bail $3,500 par exemple ou même $4,000 si c'est ça au mando pour commencer en louer car là ça veut dire ou bail au dépôt même gens là pour tout cas. Donc ça c'est une façon qu'on va faire ou faire 11 ans et d'eau ou mettre investissement dehors. Mes amis ça va peut-être bal 10% et tout chaque mois, ça dépend de qui arrangeant pour faire. Et l'autre façon qu'on capable investir c'est des investisseurs tant comme par exemple qui vient droit après le fond deal et puis nous utiliser l'argent l'autre monde pour nous acheter. Disons on va acheter ton caï pour moi flip pour moi m'a ranger m'a vendre. Kounya moi dit OK. Ou te dit mou vle investir dans immobilier pa vrai ou gen $5,000 ou dit mou gen $5,000 OK n'a fait contrat ou bon $5,000 mou dit m'a payo dans espace de 6 à 7 mois dans 6 à 7 mois kounya moi payo avec intérêt que m'te dit m'ta payo là donc un exemple $5,000 mou dit OK là nou fin fait deal là m'a paye m'a promet tout 7 ou 8,000 that's just throwing numbers ça son l'autre façon and last ou capable monter sur Airbnb et ou capable appliquer pour un co-host parce que il y a un paquet de bonnes pile moun qui gen kay sur Airbnb mais qui pa gen temps pour répondre guest yo chaque jour ça veut dire guest yo très 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 ennuyant de toujours écrire pour connait qui côté café a hier qui je peux mettre café a dans ça qui je peux me faire etc. et vraiment investisseur pa gen temps pour ça donc being a co-host ou pa besoin rien pour ça ou juste monter ou sign pour un co-host ou monter sur Airbnb gen un forum ou quand même écrire présenter tête pour dire que son jeune moins prêt pour moi aider n'importe moun là qui besoin moi co-hoster mais qui ça me prêt pour me faire me prêt pour me répondre tout email pour m'a répondre m'a mettre tout bail dans calendrier les moun check out m'a écrit comme si moun k'ap vinn clean n'a m'a fait tout ça pour et puis combien qu'on va bon moun gen va dire OK m'a bo 10% ou 15% de revenus. Ça veut dire Airbnb a tout payé directement à travers PayPal ou bien à travers n'importe plateforme. Donc ça. Yep, yep, yeah. On fait ça. Donc ça c'est façon pour capable investir encore sur Haïti. Wow. Powerful. OK, gagne l'autre monde, on pas surtout répondre question pour les monde ça lui a vu aux États-Unis mais li beaucoup gain social et puis il demandé qui moyen qui gagne pour le cas pour le temps à investir. Moi c'est Mbase à travers question sur répondre là quelque part les répondre moun ça. Oui c'est ça. Mgon l'autre question gon moun qui dit comme ça que est-ce que c'est li intéressant en Jean Market là yé là pour un moun ou ta fait acquisition ou bien ou pral, pour ta fait acquisition de propriété long state tant New York. Non c'est tant que New York ça dépend de exactement qui côté dans New York là m'pa connais sur the city ou bien off state New York but yes. Moun nan kwè la li nan city I think. A city OK. Ou gen droit pas acheter. Attends, moi là c'est ça?
Ok, yeah, li nan Siri. Nan Siri, ok. Ou ki nan pa ka achete nan Siri, but sa ave di ko pa ka investi. Ou ka toujou ali upstate, Albany, Rochester, tout kote sa ou. They're great markets. Donk gen pil moun ki toujou pe, ki di, ah, nan manche kote mi, ka yo ekstremement chè, mwen pa ka achete. Go out of state. Go out of state. Ou pa regret. Buy today. Sou ka achete jodi a, achete jodi a. Pare ten market la crash, pou sou market la pa crash. Ou most likely. Pas dit que va faire une sorte de reverse au côté OK on bagaille passer et puis boom market la crash but most likely not étude faite sur ça ou ka faire recherche sur ça jean market la braléa market la poko a crash si la ça c'est si la crash donc paraît ton crash pour dire m'a acheté dans 2 ans 3 ans si on va acheter acheter jodi hein et si quand on était pas en possibilité toujours aller out of state sur YouTube bon paquet de bonnes resources ou capable écrire moun et alors non ou capable regarder vidéo de investing out of state ou ap joine un pile resources moi par exemple moi investi out of state tout donc ou capable écrire m'a toujours aidé n'importe question pou gagne n'importe speaking of that go moun ki m'a dit where do you have your properties what method did you use flipping or something else no not flipping I buy and hold that's what I do I don't like flipping because personnellement moi trouve que flipping li pa it's real estate as a job moi vle pour real estate m'a passif pour moi ça veut dire le m'a dormi m'a fait cob le m'a voyage m'a fait cob m'a pas obligé là m'a fait cob and le flip kay focus sur chantier focus sur terrain tout temps ou pour m'avec contracteur ou enfin pour moi m'ka peut-être si m'a flip on kay on kay deux kay si son opportunité qui très très bon mais no I don't flip houses as of now never done it bon zanmim ki te fè an do que I was part of the process c'est pas je me devle konn ki jan marché mais c'est bon ba ki personne m'intéresse donc buy and hold c'est ça me fait in multi families yes OK moun nan mande ki bo gen yo bon Ohio and Illinois OK qui state vous recommandez pour invest, especially when you want to mostly on multifamily besides the state of Massachusetts? Okay, so that's a tricky question. Okay, now the moun sa pou li peut-être écrire personnellement et puis m'a envoyé à chercher, à regarder de quoi state pou li faire. Ou je cherche pas et puis la tourner vinn dim qui ça penser son analyser de toi moi chance ensemble moi pas remen di moun ki marche pour investir I don't do that just because gain 44 moun là m ka di OK à investir ayo boom 4 moun à investir ayo ça mal passé then moi te di investir ayo donc ça son pas like que yo tout investisseur yo du parfait et même mentor tout me songe te di don't do that do not tell people pas di pas voyer moun à investir de ce côté donc nous comme ca peut-être du garder tel marché qui soit sauf moi même sauf moi exactement normal donc nous m'a fait mon fait m'a bon devoir voir le faire pour m'a faut comparer faire like market analysis and then you will choose like you know qui marché pour aller mais pas vraiment ca recommander un marché tout marché gain opportunité tout marché qui existe une opportunité par là. OK, mon question pour Kix. OK, gen yon formule côté parler tout à l'heure par exemple, on pas changer exactement comment elle était relé même quoi c'était tout à l'heure. Pourquoi m'était noté là? Hold on a second. C'était syndication, right? Yeah. OK, let's say que gen groupe de moun là, dans groupe de moun ça yo, OK, moun ça yo comme si gen 2, gen 3, gen 5, gen 10. Mm-hmm. Moun ça yo t'a dit comme ça, OK, you know what? So nous décider font bagay. So nous gain peut-être 5 ou bien 6 moun a yo 6 nan yo gon 20 000 yo gon 30 000 dollars donc ki ka représenter un down payment pour un propriété et que moun sa yo ta di kon sa OK you know what nous fin recevoir un teaching for now nous vle agir OK dans la pratique comment ça ka fait OK donc dans la pratique premier bagage m'a voye faire c'est vraiment li the ends of investor because justement ça c'est un livre qui parle de ça. Faire research about it too. And moun sa yo kounya y ap reuni, kounya y ap désigné yon moun ki pral fè deal la hap, like make the deal happen.
So, nous 5 là, nous chaque gain 10 000 dollars, nous voulons acheter une propriété Florida. Nous mettons le sous Airbnb, nous faisons ci, nous faisons ça, nous faisons ça, nous voulons faire. So, nous avons besoin d'un monde qui peut faire de la vie. Nous avons joué un cas là. Moun sa ap comme ka fin jwenn li fè analysis li comme si li analyse ka la et cetera pou y a la vin présenter nous pour dire OK voilà mes options mais ki sa n'a fait n'a mettre comme ensemble mais ki le n'a touché donc n'a touché chaque moun a recevoir chèque yo chaque 3 mois chaque 6 mois chaque année et cetera donc c'est ça pou faire avant tout c'est faire recherche pour connait nan ki sa a rentré a OK pas rentrer là dans les yeux fermés on fin faire recherche Nous avons tout appris ensemble pour nous parler, pour nous déterminer et conditions avec termes que nous allons entrer dans l'investissement ensemble. Ok. All right. Thank you. Gon moun ki di, comment on peut investir sans cop par ou soit dans poche ou sans argent? Moi, je connais que at least faut gagner un cop down payment. Faut gagner down payment là. Mais what if you don't have it and still want to invest? Qui côté ou ka jwenn cop ça? Ok. So, généralement, c'est ça nous rele OPM. Et other people's money. Donc, si, quand on a un comme ça, c'est peut-être, on pourrait faire private loan. Ça veut dire là, on dit, OK, Alberto, est-ce qu'on a prêté 10 000 dollars? Voilà. Oh. Voilà. Oh. Bon, autre exemple. Bon, autre exemple. Grégory, est-ce qu'on a prêté 10 000 dollars? Yes, on a fait ça. Est-ce qu'on a fait 10 000 dollars parce que mes qui plan bien, mes qui semble faire, mon pari moi pour faire, donc ou présenter plan, c'est comme si on a le pitch, right? Ou expliquer mon voilà voilà mes qui ça fait, donc prêter 10 000 dollars, m'a pour mettre tout notre telle façon. Mon ça lui même dit OK, pas un problème, m'a prêter 10 000 dollars. Donc c'est façon qui plus facile pour faire ça. Plus facile. Spécifiquement si ou pas aux États-Unis. Si ou aux États-Unis et qu'on déjà un investisseur ou ka utiliser l'autre investisseur genre dans façon ça me dit là private money ou bien et ou aller la banque par exemple yo gien temps ouais que ou un portfolio par exemple bien 3 4 5 cas qui gien temps a bien marché yo dit OK pas de problème y a petit on rentrer sur dit là without money down but that's different kind like ça encore plus compliqué nous pas besoin arriver jusque là entrer dans tout ça mais façon qui est vraiment vraiment plus facile là c'est prêter l'argent à mes monde ou bien ou mettez deux moun qu'on connaît qui peut-être voulaient investir ensemble ou mettre contact là ou dire ah mon frère ça veut investir mon Jacques veut investir moi veux investir mais comme let me get bon faire Jacques avant ça rencontrer pour parler m'a gérer ca là pour et puis on veut faire pop kay ou mander peut-être 15% ou bien 10% tu vois ça sont notre façon qu'on investit vraiment créativité parce que là par exemple yon ba ki bel avec investissement c'est que faut qu'on créatif et ou ka créatif donc façon yo là yo existé c'est juste vraiment partager yo et network and basis la vision. All right, do you charge for mentorship? No, I do not actually. As of right now, I really do it Creole, sorry. pour le moment somme moi fait vraiment pour moi give back et to my community. No, I do not charge for mentorship as of right now. Maybe I'll change one day, but pour le moment, no. And I'll be more than happy to talk to you and help you, whatever you need. All right. So, gen ou moun la particulièrement kik, si yon moun ke ma plage la moun pou mentorship. Okay. Parce que li nan do men nan li fait commencer. Okay. And, I mean, son ba akim toujou, di yo la tout, peu importe sa kou gen besoin fè. Jwen ou moun ki fèl kou wè gen résultat la dan et puis ke bemè moun sa, ou suiv pas à pas. Parce que c'est comme ça moun la fonctionne. At the end of the day, c'est comme ça nous apprenons anyway. OK? Yeah. So, par contre, est-ce que gen l'autre question, nous ka prendre deux. Il y a nous ka prendre deux questions encore. Nous ka prendre deux questions encore et puis on après qui tout facteur pour prendre en considération when you are charging for rent so you don't charge way too much and not to be able to rent it or too little to not make money. You have to, so pour ça faut que charger market rent. Donc this is where ou vraiment ou fait analyse marché à analyse propriété pour connaître combien quoi par exemple. OK, dernièrement moi font rénovation, OK? Kaila l'un fin faire rénovation justement moi monté comme Kaila parce que j'ai bagarre moi changer en dedans tel que moi mettre glass door dans toilette là. Moi mettre vinyl luxury comme si et floor
Donc, si par exemple, je change appliances au lieu de frigidaire blanc, par exemple, je mets un frigidaire stainless steel, tout ça, c'est des bagages qui font ou en mesure pour ou monter le prix propriété. But at the same time, vous gardez le marché. Ça veut dire, dans 20 cas qui dans la zone, combien vous avez loué? Donc, c'est en fonction de ça tout que vous même pouvez déterminer combien vous avez loué. All right. So, nous avons François qui levé, mais François. Moi dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi vraiment apprécié séance de présentation ça, quoique moi arrivé un peu tard. Alors question moi c'est est-ce que il y a un calendrier de genre de présentation ça yo? C'est est-ce que vous faites mensuellement? C'est dans quel rythme que vous faites? OK. Bon, moi répondre question ça. Normalement son groupe de prière que nous gagnons Zoom ça, OK, que nous prions tous les soirs à 10h du soir, OK. Et nous prions à midi tous les jours du lundi au vendredi. Ça qui vient arriver c'est que bon Dieu t'est venu mettre sur nous down the road pour nous commencer à faire genre de teaching ça en préparation par rapport à un bagage que lui-même il voulait faire. Une première bagage que moi-même t'a suggéré gain plus que formation ça qu'on capable joindre nous encourage retourner pour le moment nous pas un calendrier pour le moment c'est dépendant de qui instruction mon Dieu bail que nous a fait par exemple nous gagne sous stock market je dis là nous gagne sous real estate et monsieur est certain c'est pas dernier on a gagne l'autre donc nous encourage retourner tous les vous méritez connecter ensemble avec nous tout parce que me fait que partager les clans là c'est comme ça qu'on connaît qui genre d'événement que nous a fait parce que nous partager yo once que la communauté noire et puis consacre ou même moi pas au coin de tout ça que nous avons fait. Oh, merci. Welcome. All right. Est-ce que nous avons d'autres questions pour qui? Go ahead. Yeah, non, je vais juste dire tout le monde et ça c'est surtout pour le monde qui est aux États-Unis. Moi, j'ai l'autre présentation que moi a fait lundi soir, Dieu voulant, à 7h. Donc, les poster sur Instagram, moi, non story, ni sous feed, moi. Donc, nous avons joué numéro meeting, nan, c'est sous Zoom toujours, nous avons joué numéro meeting nan, pour nous rentrer là-dedans avec tout le mot de passe. Nan. Donc, nous avons capable rentrer plus en détail, parce que la plus inclusive. Donc, nous avons rentrer plus en détail de bagages qu'on a besoin, de quel type de loan nous avons appliqué pour nous, pour investir, etc. Vraiment plus détails. Parce que ça nous fait, je dis, c'était vraiment pour nous, n'importe côté courrier, pour nous inclure tout le monde. Donc, si toutefois, aux États-Unis, vous avez bien plus d'informations, nous sommes capables de participer dans ça lundi, si toutefois disponible. All right. So, we have the last one. Deborah, speak up, if you can. Okay. Hi. A quick question before we leave. Je juste besoin de connaître, est-ce que on dit que down payment le minimum là, c'est 3.5, tout dépend de loan que ouais ensemble avec là. Est-ce que vous recommandez pour toujours bail minimum là, même si vous gagnez plus ou bien pour bail plus? Parce que y a monde qui dit oh, make sure que toujours bail minimum là pour qu'a gagner plus corps qui est dans mort, mais y a monde qui dit tout oh bail plus ou pour qu'a venir end up payer moins dans mortgage. Nous toujours anti gens entre deux pas vraiment sûr qui okay, est-ce que pour bay minimum là juste ça demander ou bien bay plus. OK. OK la connaissance. Non à bay minimum là, il m'a dit 3.5 ou bay 3.5 parce que non et the goal objectif là c'est pour ou pas payer mortgage. Ça c'est objectif là. Objectif là en tant qu'investisseur c'est pour yon l'autre monde à payer mortgage pour. Donc il va vraiment matter because préfère qu'il y ait plus comme non mais on connait pour faire des réparations ouais kick sorry m'a demandé mes questions là c'est pas plutôt lui même qui a acheté caille pour tête lui OK peut-être pas m'a pas on s'est trop de Débora on dit que moi c'est Ted donc moi acheter en non vous voulez investir ou bien vous voulez acheter caille pour vous même caille pour habiter question moi voulez acheter caille en bonne qualité là-dedans tout même j'avais tel exemple tel principe yeah no then what buy minimum justement parce que j'en d'ab dit à l'heure objectif là c'est prendre caille là pour l'autre monde payer mortgage en pour OK en France on t'a toujours même pour mortgage en plus bas de façon à ce que cash flow ca plus haut mais non si on demande 3.5% on buy 3.5% parce que si on gagne plus quoi ou ca serrer comme ça pour ou
achetons l'autre caille. Ça veut dire, ou mettez sous lui, ou achetons l'autre deuxième caille. Vous comprenez? Ou bien, ou quittez comme ça pour peut-être faire des réparations dans la caille, là, ou apprendre, ou bien, si vous avez des bagages pour manger là-dedans, ou quittez comme ça pour ça. Donc, non, pensez, meilleur bagage pour faire. Ça nous veut faire, c'est bailler le moins de corps possible sous investissement. Et ceci n'importe qui investissement qu'on faire. Depuis qu'il y a un avantage, je ne pas du pour cheap, but, ou juste les bailler le moins possible, mais pour toucher le plus possible. Donc c'est ça. Yes. OK, ah, nous t'ai Jean-Marc dans mi temps présentation moi qui t'ai levé mail Jean-Marc. Jean-Marc, est-ce que là ce sont questions t'ai gagné? Moi c'est ces dernières questions à prendre pour asseoir. Jean-Marc, est-ce que sont questions t'ai gagné? Si ou là. Bon, Jean-Marc semble pas là. Kix, personnellement, je voulais remercier de tout cœur. Nous dit bonjour, merci parce que bonjour, t'es connecté ensemble avec moi. Forme de ces réponses en prière, t'as fait. L'or, il est là. Okay. Pas de ça, pas de cause de ça. Et puis bonjour, reconnectez-nous et puis thanks happen. Et nous vraiment dit bonjour, merci pour ça. Que à ce moment-là, moi, je suis certain. Parce que l'objectif, c'était qui ça? C'était ouvrir les yeux, mon Dieu. Faire comprendre, hey, il y a un moyen, il y a un bagage qu'on dit là, moi, pas de connaître, il y a un monde qui suit. Amen. Qui vraiment étonné de ça. Côté que, au cas aller sur Airbnb, ou disons ça, ou décider qu'on ou mettez temps. Etc. Et que vous êtes capable de jouer des séries de monde qui gagne quand même et puis qui décide ailleurs et puis vous êtes capable de faire cob. Donc ce que je veux dire, it doesn't matter. Parce que nous avons pile monde là qui fraîchement sorti de Haïti. Bon, nous avons une situation, nous n'avons pas besoin de rentrer dans les détails. Donc ce que je veux dire, par rapport avec l'activité que nous capable de faire, yes, ça c'est une opportunité. Yes, ça c'est une opportunité que nous capable de faire. Qui se fait partager Instagram là ensemble avec m'a partagé là avec nous. Yeah. Oh, ok, sorry, mais c'est d'âge. Yeah. Yeah, ça c'est une activité qu'on capable faire. Songez que objectif là c'est ouvrir les yeux. Jean que nous disons nous prions en pile mais il est important tout que dans la vie amen dans le quotidien nous pour nous capable exceller. Et à faire bagarre Airbnb doesn't matter de côté it doesn't matter côté courrier selon moi-même. It doesn't matter côté courrier depuis du moment qu'on comprend l'anglais ou capable parler anglais ou comprendre exactement ça que yo mandé en bas c'est ça c'est une opportunité, ça c'est une opportunité d'affaire que lié. Donc gè ça que les passive income et c'est pratiquement c'est de ça que Christy lui-même t'a parlé jeudi là et parce que une question que lui répond qui était vraiment intéressant peu importe quoi Haïti qu'au Saint-Domingue yes toujours un moyen pour capable investir aux États-Unis peut-être lui pas rentrer dans trop de détails mais ou même si son bail qui intéressé yes ou capable follow up ensemble avec et puis pour connaître véritablement comment que ou même ou capable faire ça et parce que objectif là réussi et merci de tout cœur Christy, merci de tout cœur la follow up ensemble avec vous grand pile monde qui écrit privately et que yo besoin rentrer en contact ensemble avec vous etc yes n'a pas sur nous de suivi yo et yeah que pour moi ça capable utiliser à partir de formation ça qu'on fait là et pour moi ça capable dégager de nouveaux cash flow yes. Yep, c'est ça. Donc, justement, avant de quitter nous, et encore une fois, merci Alberto pour l'opportunité. Hein. C'est toujours un plaisir pour moi, vraiment, pour moi, Chita, avec jeunes temps pour moi, pour moi, capable de faire des recommandations, mais aider vraiment pour investir. Encore une fois, j'aime dire nous, parce que nous manquons un peu dans la communauté noire. Donc, n'importe qui veut entrer en contact avec moi, Instagram, c'est façon qui est plus facile. Là. Juste pour vous dire, ben, moi, ma réponse nous quand même. Within 24 hours, li deja ta, donc pas pour la soya, please, pas pour le personnel, mais quand même, parce que les lundi, ma pour tout le monde, et pour make sure que moi aide nous. 100% free, donc encore une fois, merci, et moi là pour m'aider nous, et puis me souhaite que investissement nous take off, Anissa. Amen. Amen. All right, guys, that's for prayer au final pour nous capables de mettre un terme, encore une fois. Christy, merci, là, non, tout le monde là. Merci partager l'eau ensemble avec nous là and then guys m'encourager nous vivement toujours dit ça c'est pas l'information qui est le pouvoir mais c'est l'information appliquée OK gien connaissance pas ka fan ensemble avec ça pas veut dire rien c'est ça qui fait jeudi en vivre le monde c'est pas pied du besoin c'est pas pile le besoin vraiment bagage qu'on capable pratiquer si pas capable pratiquer it doesn't mean anything OK donc jeudi dire le monde paquet de qui ça qu'on gagne comme degré mais OK c'est résultat qui parle pour c'est qui ça qu'on fait qui véritablement parle pour OK donc moi c'est une série de amen c'est le début et moi fais mon Dieu confiance pour mon Dieu capable connecter nous avec plus monde ça dans des domaines respectifs et puis pour capable aider nous visionner nous dans différents domaines donc so, on a fait une prière finale et on a mettre
fait ou même quitter l'ensemble avec nous pour la première fois, encore une fois, ou pas pour remplir formulaire ça, nous encourageons vivement, vivement remplir pour nous. Annick, est-ce que vous pouvez partager le lien, s'il vous plaît? Parce que je me perdu le lien que vous avez. Remplir pour nous avant d'aller, c'est la seule façon qu'on a carité en communication ensemble avec nous, seule façon qu'on connaît exactement qui ça que nous avons fait. Exactement qui ça que nous avons fait. Nous encourageons, ok, je thank you. Nous encourageons pour capable tourner. Nous encourageons pour capable tourner. C'est tous les soirs à 10h et puis chaque jour à midi, excepté, excepté les week-ends, nous bagnons ça à midi. Hein, et puis excepté les vendredis, nous bagnons ça à 10h du soir. Là. All right? So, papa, m'a dit le ciel là, nous voulons dire merci infiniment, cher Dieu, cher Seigneur, de là pour l'opportunité de ça à côté, mettre sous route, nous, l'éternel papa. Nous disons merci, cher Dieu, cher papa, pour le monde qui est édifié là. Et nous disons merci tout l'éternel de là pour ça qu'on fait dans la vie petite tout Kix, l'éternel. Et nous prions, cher Dieu, cher Seigneur, de là pour capable mettre, pour capable ouvrir, pour capable élargir territoire, cher papa, cher Seigneur, de là. Et que l'éternel grand mettre là, bénédiction qu'on mette dans la vie là, va servir de plus bénédiction à la vie petite tout l'éternel, cher Dieu, cher Seigneur. N'a prié tout l'éternel grand mettre là, mettez urge la kaimounio, cher papa, cher Seigneur. Bah, au plus révélation, cher Dieu, cher papa, de façon à ce que vraiment ça que vous apprenez à soi, pour être capable de mettre en pratique et pour être capable vraiment, vraiment aider l'éternel. Ou prenez plaisir dans béni petit tout. Ou gain réputation pour, ou réputation pour défendre, cher papa, cher Seigneur. Nous connaissons l'éternel, les petits toits fait succès, c'est vous-même qui fait succès tout l'éternel. Nous disons merci encore une fois, merci, merci, merci. Nous bénissons, nous glorifions, nous magnifions. Et nous prions dans nos petits toits, Jésus-Christ qui vit et règne, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Guys, avant même que nous allions, est-ce que vous avez qui baille la vie à Jésus déjà? Ou du moins, qui te baille la vie à Jésus et pour une raison pour l'autre, vous êtes déconnecté? Et dans ce souci, vous avez dit, vous êtes capable de prier ensemble à ce avant que nous allions. Ou simplement lever main, faire connait que ou bien ou écrire dans chat là, faire connait que c'est ou même ou beaucoup bay bon Dieu la vie ou du monter bay bon Dieu la vie ou pour une raison pour un autre bay un petit gens chez qui ou reprendre nous voulons prier ensemble avant que nous aller à soi là. So c'est ou dans monde ça, juste faire nous connait parce que comprendre que c'est ou dans plus bon plus belle décision que ou même ou capable prendre. C'est ou dans plus belle plus bon décision qu'ou capable prendre et il y a un pile bénéfice qui marche avec. Nous dit ça déjà. C'est une plus belle, plus bonne décision qu'on capable prendre. Sur une moun sa yo, juste fait nous connaître que c'est vous-même. Juste fait connaître que c'est vous-même et que nous voulons prier ensemble avant. OK, nous avons Christelle. Christelle dit comme ça, I want to reconnect with God. Félicitations, Christelle. My God. Yes, Lord. Nous avons moun toujours. Yes, yes, yes. Ma prière à votre alors, Christelle, bon, mon petit temps. Est-ce que nous avons l'autre monde? Ou même qui voulait reconnecter avec mon Dieu? Ou bien bye bon Dieu la vie. C'est belle bagarre, man. Logue mon Dieu dans la vie, ou a fait l'argent et puis tout à fait en ordre. Ou connaît si demain matin mou ou bral dans le ciel. Ou connaît qu'on bral dans le ciel. Donc, nous voulons prier ensemble avant. C'est une belle bagarre. Je me dis ça encore moi-même qui l'a. Amen. Je me fais piler dans la vie. Là, je me déjeune une opportunité pour me bye bon Dieu la vie. Je me fais peur parce que je ne suis pas trop paré. Mais ce n'est pas ça qui intéresse, mon Dieu. Jésus dit, viens, je n'ai jamais couru. Il longe bras le bas, la p'tan nou. Et c'est Jésus qui répare moun, qui change moun. Ou même ou va ka fè travail sa peut-être. Si que ou te capable, ou t'as bien fait ça déjà. Donc nous voulons prier ensemble avant. C'est pas parce que nous pis bon, mais nous sommes pas quelques jeunes qui décident nous dire ça. Nous décidons de prendre la vie nous au sérieux. Nous décidons de faire bagaille de façon que bon Dieu m'a dit. Et pas parce que nous pis bon, mais c'est il faut que nous a fait. Et mon Dieu fait nous en pile grâce. Et merci Annie. Annie fait partager Luc 5, verset 31 ensemble avec nous. Là, côté Jésus t'a expliqué que ce n'est pas pour les gens qui te poté au bien, que le devini, mais le devini pour les gens qui te besoin de médecin, ou ça que tu es malade, les gens t'en coupent, pour les gens t'en coupent, que bon Dieu lui-même est venu, pour les gens t'en coupent, Jésus lui-même est venu. Ça, c'est une dans les gens, ou t'as aimé connecter avec mon Dieu. Fais-moi qu'on aime les prier ensemble avant. Pas dire, ou abgétant demain si je veux, parce que. Nous pas compte demain. Et pas comprendre pour obliger un saint pour prendre décision ça. Non, ou prendre décision, Jésus lui-même lui assure le reste là. Tous ces monde ça, nous voulons prier ensemble avant que nous allions. Nous voulons prier ensemble avant même que nous allions. Est-ce que nous avons un deuxième monde?
Est-ce que nous avons un deuxième monde? Ou bien, mon Dieu l'avoue déjà, mais pour une raison, pour l'autre, bagayon Jean Chiki. Bagayon Jean Chiki. Vous voulez prendre ça au sérieux? Vous voulez dire, mon Dieu, foi ça, vous voulez faire barrer autrement? Ou simplement prendre une décision et Jésus lui-même n'y a pas assuré le reste là. Ou simplement prendre une décision et Jésus lui-même n'y a pas assuré le reste là. Moi-même, moi, t'es un menteur, un manipulateur, en pile mauvaise décision dans la vie, en pile barrer que je t'ai fait, que je ne suis pas fier de vous-même. Je suis pas fier de vous-même, mais je dis, Jésus te dit, viens jouer moi Jean Courier. Et elle t'a longé, mais bon, moi, t'ai accepté. Et le reste, c'est l'histoire, et puis je dis, moi, je suis capable de mettre là, et que je suis capable d'encourager à faire même ça que tu as fait pour moi, il y a peut-être 2 ans ou bien 2 ans et demi, je ne vais pas changer ça que lui-même était fait pour moi. Tous ces gens qui ont fait même chose avec Christelle. Just fait nous connaître. Just écrit dans le chat là. Just levé, mais on. Just fait nous connaître. Quelle que soit la façon d'utiliser. Just fait nous connaître. On a prié ensemble avant que nous allions. Just fait nous connaître. Pas besoin de peur, pas besoin de honte. There's no such thing. Pas besoin peur. Au contraire, c'est une plus belle décision qu'on a pris. Et on a saisi ça que bon Dieu lui-même a fait à travers la vie. On a saisi ça que bon Dieu lui-même a fait à travers la vie. Pas peur. Pas penser au papa. Pas peur, on a besoin peur. On a besoin peur. Jésus n'a jamais ba ou là. Il n'a jamais ba ou là. Son décision personnelle que lié amène moun pa ka force ou prendre moun pa ka prendre pour c'est décision pa ou que lié seul ça nous ka fait nous ka encourager ou prendre nous ka parler de bienfait que lien là-dedans et yon avantage qui gagne là ou capable boire majorité moun ki là c'est des jeunes que oui majoritairement c'est des jeunes. OK, donc même Jean-Jésus t'a fait pour nous, Jésus a fait pour toi. Nous avons Christelle toujours. Nous voulons connaître, est-ce que nous avons 2, est-ce que nous avons 3? Est-ce que nous avons 4, est-ce que nous avons 5? Yo koto lo koto ra ba shi li kete lo kose lo koto lo koto lo kete miya koto lo koto si shi li. Oh! Graziella, comment vas-tu, mes amis? On a mis de longue date. Graziella, dans le canal, soeur. Yes, sous ces mouns, ça. Sous ces mouns, ça. Fais-nous connaître, nous voulons prier ensemble avant que nous allions. Right. OK, nous avons Christelle pour assurer. Christelle, sou capable tendre, sou capable bon minute, moi va le prier ensemble avant même que nous faire ça pour moi expliquer son prière de confession que lié côté que on va gagner pour répéter après, OK? On va gagner pour répéter après côté que on va le confesser avec bouche que on accepter Jésus-Christ, vous voulez reconnecter avec Jésus-Christ et que nous va le prier, nous va demander foi ça vraiment pour l'aider vraiment capable d'être dans le droit chemin et que pour pas perdre connexion ça encore. All right? Christelle. Ouais, chi. All right, Christelle, on mute son prière de confession. Pas besoin de peur. On mute. Calé corps, son gros décision prend là d'ailleurs. Nous féliciter en pile pour comprendre que il y a fête qu'a fête dans ciel là, ange a préjugé à chaque fois que bon Dieu jeune homme qui vient jeune. Il y a gros fête qui fête dans ciel là. Son calé corps, ouvert corps, réjouis, nous féliciter en pile. Guys, mettez du feu pour Christelle, mes amis. Come on. Mais mettez du feu pour Christelle. Hein? Come on. Hein? C'est une grosse décision que Christelle prend là. Encouragez Christelle. Yes. Et que Christelle n'a profité invite autour que nous prier là chaque soir sous les longues communautés comme ça.
côté que ou voulez grandir dans la prière, ou voulez comprendre mon Dieu plus. Nous faisons pile en pile teaching là. C'est même link là, on capable utiliser même link là, nous encourageons à tourner, nous encourageons à tourner, on va pas prendre en pile. Et nous suis certain que mon Dieu lui-même il y a pile bagage que lui fait et pour nous-même. All right. All right, Kissel, on va profiter après. Papa qui est dans le ciel là. Papa qui est dans le ciel là. Dans notre petit tout. Jésus-Christ. M'a confessé. Comme son pécheur. M'a demandé pardon. Tout ça que m'te fait. Qui est en contradiction. Avec Paolo. À soi là. Moi, je voulais confesser. Je voulais déclarer. Que moi redédié. La vie. À Jésus. M'a demandé autant prier. Accepter mes jambes hier. Corriger ça pour me corriger. Apprendre moi. Aide-moi. Fais-moi connaître plus. Et aide-moi dans le droit chemin. Une fois que je prends décision ça. Mais pas pour retourner encore papa. Tant pis. Qu'est-ce même. Pour m'arrêter. Dans le droit chemin. Et me prie comme ça. Dans nos petits tout. Jésus-Christ. Qui vit et règne. Depuis tout temps. Et pour tout temps. Amen. Yes. Félicitations encore une fois, Christelle. Félicitations. Comprendre que son belle et gros décision qu'on prend là. Et ma prière pour assurer pour bon Dieu lui-même, il passe visite. Pour bon Dieu, fort comprendre toute une série de bagailles. Pour bon Dieu lui-même, il est capable de retirer l'imitation dans la vie. Pour bon Dieu lui-même, il est capable de faire route. Pour bon Dieu, capable d'envahir avec l'amour. Pour bon Dieu, capable de faire well dans l'autre dimension. Pour bon Dieu, capable de faire understanding. Pour bon Dieu, capable de faire understanding. Et nous déclarer et nous décréter que l'ennemi n'a pas gagné les vœux. Ou même encore, ou à vivre uniquement pour Christ et gloire bon Dieu lui-même, l'a éclaté dans la vie. Nous déclarer, dans nos Jésus-Christ de Nazareth qui vit et règne depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Yes, Lord. L'autre bagage que Mamzou Christelle me fait partager deux liens là. Deuxième link là, c'est un groupe WhatsApp que nous gagnons. Donc, nous encourageons, rejoignez. Ça peut être un pile. Parce que tout le monde est là, c'est monde qui a prié sérieusement. Et nous avons une communauté sale capable d'intéresser pour vous rejoindre. Et déjà, nous avons la bienvenue et nous vraiment content de gagner ensemble avec nous. Alright. Ok. Alright, guys. Nous avons mis un thème pour assurer là. Et c'était vraiment un blessing que mon Dieu lui-même était capable de mettre quelque chose. Nous qui pour partager tout connaissance ensemble avec nous. Et encore une fois, guys, pas arrêter sur ça que nous apprenons. Agir, poser question. Pas de mauvaise question, là pas qu'on nous bagaille ou poser question ou chercher qu'on est. Et bon Dieu, t'es relâché par Oli là déjà, il dit nous déjà que la plus évident financial, il connaît la bonne stratégie, hein, comment que nous pourrons faire ça. Et sous ces yeux, nous qui t'a font rêve et que ou t'a font rêve et que t'a ouais, bon Dieu, viens par la voix ou du moins t'a reçu un prophétique word et que bon Dieu, le volant arrière ça. Et mais n'a pas courage, commencez à agir, passez à l'action. Parce que pas passer à l'action, ça va vous dire absolument rien. Et m'a dit ça encore, l'argent, c'est la dernière ressource que tout le monde a besoin dans un projet. Ou pas besoin d'argent pour faire business, ou besoin de vision, ou besoin d'idée, ou besoin de plan, ou besoin de stratégie. Et l'argent, il y a venu. Comprendre que, il y a des gens qui ont l'argent, ils n'ont pas une vision, mais il y a des gens qui ont une vision, ils n'ont pas l'argent. Les tous les deux croisés, magic happen. Ok? C'est pour ça, pour bagarre, prier, demander mon Dieu, pour ouvrir les yeux, pour faire qu'on ait demandé mon Dieu, mettez destiné un peu, surtout, et de façon à ce que l'on réacule pour le volant, et que ou même pour capable pour de l'eau, capable d'éclater dans l'avion. So, sur ce, nous mettons fin, nous souhaitons tout le monde passer bonne nuit, rester dans la présence de mon Dieu, et que ma banne rendez-vous demain soir à 10h pour l'autre session de prière, et que moi-même, nous en pile, et
encore une fois, bonne nuit et que présence bon Dieu lui-même l'irrité ensemble avec nous. Lord, yes, Lord, yes, Lord.